Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Geoffroy Guichard, le chaudron vert qui accueille l'une des grandes affiches de cette journée du championnat de France de première division. Un match que nous allons suivre ensemble avec tous les spectateurs sedanais et surtout les supporters des Verts ce soir en compagnie de Michel Hidalgo. Michel qui nous rejoint ce soir pour vivre, eh bien, on le disait Michel, l'une des belles affiches. Ce sont là deux promus qui après 6 mois de compétition sont dans le haut et dans l'élite du football français. Oui, c'est un peu une surprise de ce championnat, c'est le classement des promus et surtout de Saint-Etienne et de Sedan, parce que non seulement ils ont un bon classement, mais il y a également une qualité de jeu, il y a une qualité de spectacle, et c'est ce qu'on espère ce soir, on espère du mouvement, on espère des buts. On regarde ce classement actualisé après les résultats d'hier qui concernaient notamment les Lyonnais et les Parisiens. Regardez à la 5e place Bordeaux qui a perdu hier 30 points. Juste derrière Saint-Etienne avec 29 points et juste derrière Saint-Etienne, Sedan. Vous imaginez donc l'importance de ce match ce soir. Un match que nous suivrons depuis le bord de la pelouse. Peut-être givré, peut-être gelé ou peut-être pas. C'est avec Vincent Alix que vous aurez toutes ces informations. On va les saluer une première fois dans cette soirée. Vincent, bonsoir Vincent. Salut Philippe. Écoutez, c'est plutôt une bonne surprise. Il ne fait pas si froid que ça sur la pelouse. À peu près 0 degré. C'est pas le moins 2 ou le moins 3 annoncé. Ce qui est surtout très bon signe, Philippe, c'est que malgré le froid des derniers jours, la pelouse n'a jamais gelé. Elle est souple. Donc, on devrait assister au spectacle annoncé. En tout cas, parmi ceux qui font le spectacle du côté de Saint-Etienne, il y a ce Brésilien-là, Alex, qui vient d'être récompensé. Michel, il a été élu par des journalistes et nos confrères de France Soir, notamment, meilleur joueur pour le mois de décembre. On se souvient des misères qu'il avait fait aux Marseillais et à bien des défenseurs du championnat de France. Voilà pour la fête à Alex le Brésilien, il y a quelques secondes ici à Geoffroy Guichard. Alors, pour se réchauffer, on va vous ramener quelques mois en arrière, au mois d'août, pour vous faire revivre en quelques 60 secondes ce fameux match aller avec 3 buts du côté des Sedanais et 2 pour les Verts. C'est un Vert qui avait ouvert la marque ici à la 8e minute de jeu dans ce match aller. Sarr, Pape Sarr, qui avait permis à Saint-Etienne de mener 1-0. Et puis 8 minutes plus tard, c'est Aloisio, le Brésilien de Saint-Etienne, qui ce soir-là avait inscrit le 2-0. Les hommes de Nouzaret menaient 2-0. Mionnet, lui, va relancer temporairement les Sedanais après 45 minutes de jeu. Et c'est un match à fort rebondissement, car les Sedanais, après ce but de Mionnet, ont réussi à faire preuve de qualité physique et morale surtout en revenant grâce à Ndiéfi. On jouait ici la 76e minute de jeu et vous allez voir Pius Ndiéfi qui va remettre les deux équipes à égalité, 2 buts partout. Et puis du mouvement, des rebondissements, du suspense, il y en a eu à la dernière minute de jeu. Vous vous rappelez peut-être de cette image qui avait fait couler beaucoup d'encre avec ce ballon qui avait été renvoyé, des joueurs qui reviennent d'une position hors-jeu. Est-ce qu'ils sont en train de jouer? Eh bien, monsieur l'arbitre Ruffray avait dit que non. Et les Sedanais, dans la dernière minute, grâce à Olivier Quint, avaient marqué et avaient réussi à prendre 3 points. Effectivement, les sangliers des Ardennes avaient mangé les Verts ce soir-là, mais c'est un match qui avait créé la polémique. On se rappelle que Robert Nouzaret avait été puni parce qu'il s'était un petit peu trop exprimé. Bon, ça c'est oublié ou presque, hein, Michel? Oh, c'est oublié parce que ce sont deux entraîneurs qui se respectent, oui, et deux équipes qui se respectent. En tout cas, il y a un petit peu de revanche dans le bon sens du terme ce soir dans l'air. On va écouter Vincent Alix, juste avant l'échauffement, a rejoint Olivier Quint qu'on a vu marquer ce fameux but pour lui demander si le souvenir était encore présent et si ça pouvait avoir une importance ce soir. Je crois que c'est notre match référence à la maison. On était mené 2-0. On est passé très près de la catastrophe. On a eu les ressources pour revenir et puis l'emporter sur la fin. Et puis le match d'après, on s'imposait à Lens. Donc c'est vrai que c'est un petit déclic pour la suite de la saison. Alors match spectaculaire. Est-ce que ça veut dire qu'on aura le même match ce soir ici à Geoffroy Guichard? J'espère qu'on aura le même match avec des buts et puis la victoire de Sedan, ce serait beau. Maintenant, je sais que les deux équipes ne ferment pas le jeu, ont des intentions offensives. Donc on devrait assister au même match en espérant que Sedan remporte les 3 points. Voilà pour les espoirs d'Olivier Quint. C'est vrai que le jeu des deux équipes, Michel, est fort beau depuis 6 mois. C'est la 3e attaque contre la 5e attaque ce soir. C'est aussi le Forez contre les Ardennes. Il y a tout. Jusqu'au bout du public, il y a des conditions réunies pour une grande partie de football. Mais la grande condition, ce sont des équipes qui pensent plus à gagner, qui ont plus le désir de gagner que la peur de perdre, la crainte de perdre. En tout cas, on a beaucoup vanté les mérites de ces deux équipes. Robert Nouzaret et Patrick Remy sont d'accord pour qu'on vante ses qualités. Mais vous allez voir qu'ils gardent les pieds sur terre. On va écouter une nouvelle interview de Vincent Alix. D'abord, il a demandé à Robert Nouzaret de voir un petit peu s'il était possible avant ce match de juger et de jauger le jeu de ces fameux Verts. Bah, je crois qu'on a fait
beaucoup plus de bons matchs que de mauvais cette saison, donc c'est que il y a une raison, et que Sedan, Saint-Etienne et Troyes, qui est pas très loin non plus, trois promus qui pratiquent qui essayent de pratiquer ce football, qui ont ce culot là, je pense que c'est un peu une bouée d'oxygène dans le championnat. Robert, Bordeaux a perdu hier soir. Si vous gagnez ce soir, vous accrochez la cinquième place. Est-ce que vous commencez à regarder avec beaucoup de précision ce classement ? Non, je regarde surtout que si on gagne ce soir, l'écart qui pourrait être fait si d'autres équipes perdent. On ne regarde pas devant. Et les joueurs ? Non plus. Heureusement ? Je pense, oui, parce que peut-être qu'on inconsciemment on changerait quelque chose et on se casserait la figure. On vous l'a dit, hein, il a les pieds bien sur la terre et sur le carrelage de Geoffroy Guichard. Il ne veut pas de cette lourdeur, de l'obligation de gagner. Alors, Vincent, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est passé en face, il a traversé le couloir pour aller voir le vestiaire des Sedanais et rejoindre il y a quelques minutes Patrick Remy. Il lui a posé, vous allez voir, c'était fait exprès, les mêmes questions. Là aussi, si on dit aux Sedanais qu'ils ont une des meilleures équipes du championnat de France, ils répondent que c'est un peu exagéré. Écoutez Patrick Remy, son sentiment sur le jeu de ces Sedanais à lui. Nous, on a l'étiquette d'une équipe qui est assez spectaculaire parce que nos contres partent vite. Mais on sait aussi défendre et je pense que depuis quelques temps, on prend moins de buts et ça, c'est aussi intéressant. Maintenant, c'est vrai que notre football est axé quand même sur le jeu direct, récupération et très vite, on part en contre. Donc ça peut paraître spectaculaire. Hein. Bordeaux a perdu hier soir à Metz, Patrick. Si vous prenez 3 points ici, Geoffroy Guichard, vous passez devant Saint-Etienne, vous passez devant Bordeaux, vous accédez à la 5e place. Est-ce que vous, entraîneur, vous commencez à regarder avec précision le classement ? Ouais, je regarde avec précision le classement et surtout la 15e place, mais pas la 4e ou 5e. Pour l'instant, on a 5 points d'avance simplement sur le premier relégable. Vous avez un match en retard que vous jouez mercredi prochain. Ouais, mais il n'est pas joué. Donc, pour l'instant, on a 5 points d'avance et on va partir avec un point sur ce match de ce soir et pour essayer de le faire fructifier ou de le conserver. Et puis, si on est battu par Saint-Etienne, surtout sortir du terrain sans regret, c'est ce qu'on essaie un petit peu de faire. Et vos joueurs, ils regardent le classement ? Ah, je pense que les... Ou vous leur cachez ? Non, ils regardent le classement, quelquefois ils le découpent, quand on était 4e ou 5e, mais juste après, on a pris 5-0 avec notre déplacement à Rennes, on était 4e. 3 jours après, 5-0 contre Rennes. Donc, je crois qu'il faut rester humble et savoir d'où on vient et ce qu'on doit faire pour rester en D1. Pour rester en D1, il faut travailler, il faut être concentré, il faut être rigoureux et prendre les matchs comme ils viennent en se concentrant à 100% pour exprimer tout notre potentiel. Maintenant, je crois que la Coupe d'Europe n'est pas pour nous, c'est clair. Ceux qui parlent de Coupe d'Europe, je crois qu'ils se trompent. Parce que tout ce qu'on fait, c'est laborieux, c'est fait avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de travail, quelquefois avec du talent. Mais il y a trop de choses qu'on doit améliorer pour atteindre les premières places du classement. Voilà le couloir de Geoffroy Guichard pour ce premier match de championnat à domicile, puisqu'ici même contre Nantes, les Verts ont réussi à se qualifier. Avec Potillon à droite hein, qui avait fait une petite bêtise, une grosse même, qui avait coûté un but à Alonso et ses coéquipiers. Mais ce soir, et puisque tout est rentré dans l'ordre face aux Nantais dans cette Coupe de la Ligue, les coéquipiers d'Alonso et Potillon ont promis de serrer la garde. C'est M. Coué qui arbitra ce match, alors que vous découvrez Michel Bérard, le président de Sedan. On retrouvera Vincent Alix qui est tout près des joueurs dans quelques instants. En vous rappelant donc, oui Vincent. Avec Laurent Huard. Laurent, on sait que les deux équipes aiment jouer au ballon, mais on connaît aussi le quatuor offensif de Saint-Etienne, Gaël, Pedron, Alex, Aloisio. Comment contrer ce qui peut se transformer par moment en déferlante ? Justement par notre quatuor aussi offensif. Nous on a de très bons joueurs, on a un quatuor qui peut faire mal aussi. Mais en premier lieu, on sait que Saint-Etienne commence très fort les matchs et puis à nous d'être vigilants. Pour l'instant, on part pour une mi-temps et on fera le point à la mi-temps. Merci Laurent, bon match. Ils sont là, fidèles au rendez-vous, les supporters des Verts, pour voir ce match face aux Sedanais. Les Verts qui n'ont jamais battu Sedan ces deux dernières années. À l'aller, on vous l'a dit, ils ont perdu 3-2. Feu d'artifice également pour fêter l'an 2000 ici à Geoffroy Guichard. Et l'an passé en deuxième division, Sedan s'était imposé face à Saint-Etienne 3-0 à Sedan. Et les Verts avaient concédé le match nul face aux Sedanais ici même. Philippe,
Oui. Précision importante, sur la feuille de match, il y avait tout d'abord Eddy Capron, il était souffrant déjà hier soir, il souffrait d'une petite gastro-entérite et eh bien elle s'est précisée cet après-midi et surtout à l'échauffement. Résultat, Omar Dien qui était sur le banc se retrouve donc titulaire pour débuter cette partie. Merci pour la précision. Alors Capron, eh bien, il était là encore il y a quelques instants. Michel Hidalgo, on va l'enlever donc, puisque cette info est confirmée par amis au bord de la pelouse et notamment par Vincent. Donc on enlève Capron. Le reste, devant, il y a Di Rocco et Frigart, hein, on l'a vu. Oui, mais Norvégien. Le tout, c'est de savoir qui va remplacer Capron à son poste. Est-ce que c'est Dieng qui va prendre ce poste-là ou est-ce que ça va être Montero ou Novak? C'est Dieng, confirmé, Vincent nous redonnera. Oui, c'est Dieng qui... Dieng. C'est Dieng, oui, okay. Oui. Omar Dieng, oui, avec voilà. Son numéro 14. Alors, on attend un peu que les fusées retombent et qu'elles ne gênent pas trop Jérôme Alonso, qui est dans le but là-bas à gauche. Et monsieur Bruno Coué ne tardera plus. Il y a encore des pétards, hein, on vous les montrera tout à l'heure. À gauche, là, dans le but d'Alonso, on n'est pas vraiment encore prêt. Ce qu'on espère, c'est qu'il y en a également dans les chaussures des joueurs, hein, des pétards. Voilà dit. Alors, monsieur Coué, optimiste. Voilà Mamar Dieng. Philippe, un petit mot avec Patrick Rémy. Le fait qu'Eddy Capron ne puisse pas tenir sa place, ça pose un problème? Ça pose un problème de la mesure où on était parti avec lui. Maintenant, je pense que Mamar est professionnel, il est concentré. On avait choisi cette option-là, de éventuellement que Mamar le remplace. Bon, je pensais que jusqu'au bout il pourrait tenir le coup. Bon, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. On sera sur le terrain déterminé. Avec un premier ballon convoité par Alex Huard qui repousse vers Quin. Et un service pour Di Rocco. Les Verts sont en difficulté d'entrée de jeu. Frigard qui doit se retourner, qui essaye de servir dans le dos de Botillon, c'est fait. Ouh, ce ballon bien chaud, ce ballon qui passe devant les buts. Stéphanois a été frappé par Pierre Dobloc, voilà qui démarre fort. Ah, c'est symbolique de l'esprit de Sedan, c'est la moindre occasion est exploitée, ça va très vite comme on le voit ici. La passe est un petit peu dans le dos malheureusement, mais voilà un très bon débordement. Il aurait été plus judicieux peut-être de donner en prêt. Dégagement de Botillon. Barmeux. Aloisio qui retrouve son poste au cœur de l'attaque. Gaël cherchait ce ballon et M. Coué va accorder un premier coup franc sur cette faute d'Eduardo Oliveira qui pour l'occasion est capitaine. Normalement c'est Olivier Kahn le capitaine, mais Oliveira avait pris le brassard dimanche face à Nice en Coupe de la Ligue et il l'a gardé ce soir. Un Brésilien devant un autre Brésilien. Ouais. Montée de Lasserre, Francis Lasserre. Bon centre aérien, la tête, non, l'amorti d'Aloisio. Tête de Potillon. Le ballon qui sera récupéré par Montero. Alonso, il doit en faire une deuxième de la tête, il faut donner ce ballon, voilà qui est fait, qui relance bien s'il arrive à temps, ça va être fait. Aloisio sur son côté gauche, Aloisio face à Montero, Aloisio encore, le centre parfait, la frappe elle est sur la barre et Alex qui est devancé in extremis par Omar Dieng. Voilà deux grosses occasions en moins de 3 minutes de jeu. Mais on a raté un exploit extraordinaire. C'est la montée d'Alonso ballon avec la tête, avec le pied. Cette passe en profondeur qui aurait pu faire un but. Voilà. Allez, un contrôle. Tête. Deuxième contrôle de la tête. Et là, une très longue passe pour Aloisio. Ah, c'était à quelques centimètres du but. Hein. Alors ils sont pas mouillés les pétards, confirmation, tant mieux pour nous. Il y a eu quand même deux jolies fusées là en moins de 4 minutes de jeu avec de chaudes alertes et pour Alonso et pour Nicolas Sachi. Huard qui est devancé, la marée verte revient avec ce contrôle de Pedro. Il l'a vu, monsieur Coué et son juge de ligne également, contrôle de la main. Mais encore une très belle pénétration, hein. Il y a une petite faute mais... Il aurait presque pu emmener le ballon de la poitrine.
et c'était une nouvelle occasion de but. Oui, il y a, oui, il y a, il y a. Très marquant. Hein. Voilà, on voit ce ballon. Il était lobé. Ah oui. Sachi, c'est la barre qui sauve les Sodamis. Ça aurait été une action tout à fait exceptionnelle. Son départ surtout. Hiroko qui joue avec Cronier. Ballon récupéré par les Verts. Duel. Ballon qui est repris oui. par les Sudanais. Quin. Alex se plaignait d'avoir été poussé. L'arbitre a estimé que ce n'était pas une faute. Hiroko. Un nouvel appel de balle de Frigard. Et voilà toujours l'action la plus dangereuse des Verts sur la barre transversale. Pour Aloïso face à Montero. Ah, c'est du jonglage. Et pour qui? Alors pour les Verts. Aloïsio. Ah, que c'est bien fait. C'est bien vu, encore une percussion dans la surface de Sachi. C'est pas Pessard qui était venu inquiéter les Sudanais. Ah, il y a quand même une pression supplémentaire de la part des Verts, de la part de Saint-Étienne. Même s'il y a eu une très belle occasion pour les Sudanais. Voilà Alex, 12 buts déjà. Il a marqué contre Nantes également en Coupe de la Ligue. 12 buts, mais 9 sur ce terrain-là. Hein. Oui, oui, exact. C'est lui qui a surtout fait vibrer les oui. supporters. Alors qu'à l'Oisio, c'est l'inverse. Il a beaucoup plus marqué à l'extérieur qu'ici. Contre des gros. Attention à la serre, en duel avec Olivier Quin. Jan Kvarme, Norvégien de cette équipe verte. Hernandez. Nous arrête dit que c'est un phénomène ces Norvégiens. Lasser. Pedran. Un peu bloqué. Reviens milieu lui. Reviens milieu. C'est donc Novak qui joue arrière gauche et Montero à droite. Dieng ayant pris l'axe central avec Oliveira. Ah, malgré le froid, parce qu'il fait pas très chaud quand même, il y a une bonne chambrée. Hein. Ah, oui. Aloïsio. Alex est déjà en position. Aloïsio. Solide. Hein. Encore solide. Un relais. Pedron. Solide. Qui ouvre bien à droite vers l'IACR. Mais les Sudanais ont réussi à anticiper, à se dégager. Pour combien de temps? Arrivée de Huard. On laisse jouer l'avantage. Oui, Alex a essayé de feinter. Mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Et ballon Sudanais maintenant avec Quin. Dirocco. Quin, Dirocco. Olivier Quin, carte là-bas à droite et qui se fait prendre. Ça va vite, hein. D'un côté comme de l'autre, ça va vite. Hein. On tergiverse pas. On essaie quand même de rester assez précis, c'est-à-dire le ballon dans les pieds ou sur la tête comme maintenant. Pedron 4 contre 4, les Verts sont là, Pedron a attendu, les Sudanais sont revenus, arrivés maintenant de Boudarène. Aloïsio. Quel geste juste d'Alex. Et coup franc intéressant pour les Verts.
à une grosse vingtaine de mètres. Des buts de Nicolas Sachi qui est en train de taper ses crampons contre l'un de ses montants pour aller vite se placer après avoir donné les dernières consignes. Alors, à son mur. Normalement, c'est pour un droitier parce que on peut toujours penser au pied gauche de Pedro, mais mal placé pour lui. Aloisio. C'est lui, le Brésilien, qui est à 2 mètres à peine du ballon. Musaret vient de demander à Stéphane Pedro de frapper ce coup franc. Il a crié très fort pour que ses partenaires l'entendent, en tout cas. Oui, mais Stéphane, voilà, Stéphane est en train de se mettre. À moins que c'est une feinte, là. C'est peut-être une feinte de, d'Aloisio et Pedro. Miguel dans le coup. Alors, c'est pour tromper également le banc d'à côté, Vincent, non? C'est possible. Le banc d'à côté, justement, vous en parliez, Philippe. Patrick Cromy, depuis le début de la partie, demande à sa défense de remonter plus vite, d'aller presser le milieu de terrain stéphanois pour l'empêcher d'aller inquiéter l'arrière-garde soudanaise, justement, pour empêcher ses percussions. Sarr qui n'a pas pu passer. Guel, pardon. Nouvelle couverture de Kvarmeux. C'est un terrain souple, hein. Il est un petit peu mou, mais juste ce qu'il faut. Bien cramponné, c'est un très bon terrain. Les enjeux de Novak. Quin, pris par Liasser. Di Rocco est le plus grand. Mais c'est difficile à garder. Cronier, victime d'une faute, va pouvoir retrouver le ballon en faveur des Sudanais. Joueurs de Saint-Etienne qui ont été battus deux fois cette saison, au mois d'août contre Nantes dans une grande pataugeoire, on s'en souvient, et il y a quelques semaines par Strasbourg ici. Oui, après avoir dominé tout le match. Di Rocco, c'est difficile car il y a beaucoup de joueurs adverses et le ballon est récupéré une nouvelle fois par Guel. Bien pris par Novak. Et les Verts vont se relancer juste sous les yeux de Patrick Remy. Guel. Retour une nouvelle fois de Novak. Di Rocco. Liasser. Faute de Di Rocco. Monsieur Coué va revenir à l'endroit de la faute pour permettre aussi la récupération. Il y a faute indiscutablement, mais vraiment involontaire parce qu'il est arrivé juste un petit peu en retard, Di Rocco. Voilà. Et ensuite, Francis Lassier a planté la pointe de sa chaussure droite dans le gazon de Geoffroy Guichard, mais il est déjà en place. Non, en général, ce sont dans les deux équipes d'ailleurs des joueurs généreux, des joueurs déterminés, mais pas de méchanceté. Pedron qui laisse à Potillon. Talonnade de Pedron. Ballon contré à l'avantage de Montero. Les Sudanais ont quand même un petit peu de mal à se dégager, à remonter le terrain. Quand ils le font, c'est plus par des sortes de contre-attaques. Mais le jeu est beaucoup plus du côté de Saint-Etienne, notamment près du but adverse. Patrick Rémy, Michel a exactement le même sentiment. Et depuis le début d'ailleurs, il demande beaucoup de soutien autour du porteur du ballon pour pouvoir actionner les envolées offensives ensuite. C'est exactement ce qui manque, c'est qu'ils n'ont pas assez de partenaires à côté pour pouvoir passer le ballon, alors que le jeu court de Saint-Etienne est plus efficace actuellement. Arrivée de Huard, un ballon centré, contré par Björn Kvarme. Et ce sera un corner sur les buts de Jérôme Alonso. Il y a toujours la tête possible de Di Rocco, hein. C'est quand même ça culmine à 1m90. Les Stéphanois ne sont pas quittes pour autant car Pierre Dobloc est arrivé et frappe à côté des buts d'Alonso. Et c'est que Dobloc, hein, qui sont des milieux de terrain qui jouent sur les ailes, sont également des buteurs, hein. Et c'est Björn Kvarme qui a dégagé ce ballon.
Moussachi en difficulté, corner, le ballon est sorti, il y aura corner à l'avantage des Verts. Oui. C'est ce nouveau pressing d'Aloisio. Et puis Oliveira a tardé un petit peu à donner à son gardien et il l'a donné au dernier moment. C'est Guel qui va récupérer ce ballon après un petit quart d'heure de jeu, 14 minutes exactement, toujours 0-0 entre Saint-Etienne et Sedan. 0-0, mais des occasions, ouais. Vous avez raison. Voilà, ce ballon décollé, bien rentrant des deux points, comme il sait bien le faire. Sachi a repoussé cette balle. Attention, c'est sur Pedron qui a essayé de se mettre sur le pied gauche. Et contre-attaque immédiate avec Cronier. 3 contre 2, hein. 3 contre 2. Arrivée de deux blocs qui se fait prendre par Farmeux. La passe qu'il ne faut pas rater, la première. Et Olivier Quin avait fait l'effort là, pour rien. Ce qui a rendu foudrage Patrick Remy, hein, autant vous le dire. Et oui, quand un entraîneur sur son banc voit 3 de ses joueurs contre 2 défenseurs, il a toujours quand même de l'espoir. Hein. Récupération Pedron pour un service qui n'arrive pas. Novak a pu dégager. Dirocco. Dirocco qui insiste et qui fait bien. Oliveira. De bloc. Et sortie. Anticipation d'Alonso. Alex, Ailozo, retour de Novak. Et position de hors-jeu signalée par Bruno Coué. On parlait de Sachi, c'est la coutume souvent hein, pour Patrick Remy. Il n'a pas pris de gardien remplaçant, même si Regnault avait été très très bon à Nice. Elle avait permis aux Sedanais de se qualifier en Coupe de la Ligue dimanche dernier. Attention, c'est l'autre gardien qui pourrait être inquiété. Dans ce ballon de Quin passe largement au-dessus des buts d'Alonso. Oh, il doit bien y avoir dans l'effectif un joueur de champ qui a des qualités de gardien, parce que c'est prendre un risque quand même très grand. Encore que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de blessures de gardien. Et Vincent nous le disait avant le match tout à l'heure, il s'est renseigné, a priori on n'a pas décidé, en tout cas on l'a pas dit officiellement avant la partie, s'il arrivait un pépin à Sachi, qui viendrait suppléer le gardien de Sedan. Ah, c'est pour pas lui porter la poisse, Michel. Non. Dirocco convoité ce ballon, il lui file de très peu sous le nez. Liasser, talonnade à Loisio pour essayer de trouver Alex. Ballon repris par les Stéphanois. Yasser, Aloisio, Sarr, Yasser pour centrer maintenant. Et corner à suivre pour les Verts. Montée de Hernandez, Stéphane Hernandez. Un des plus grands joueurs de Robert Nouzaret. Ballon frappé, Liasser ne l'aura pas car Oumardienne est venu y mettre une tête bien ferme, mais ce sera un corner à suivre pour Liasser et les Verts. Pedron, plus haut cette fois. Tête de Potillon, mais dégagement des Sedanais. Arrivée de Quin sur Quarmeux. L'autre sur Pedron, non, monsieur Coué était bien placé, le tacle glissé. Quin, Dirocco, encore une position favorable aux joueurs de Remy. Et puis finalement, Dirocco a préféré y aller seul avec cette frappe qui passe au-dessus. Oui, mais c'est pas très bien joué non plus, hein, parce que c'est bien de temps en temps de vouloir frapper au but, mais il y avait. 1, 2, 3. Deux blocs qui étaient très très bien placés à côté de lui. Et d'ailleurs, qui a. Frigard aussi qui était là. Oui, ouais. Oui. Frigard qui était pas très loin. Et qui a eu un petit geste de dépit.
Aloisio, nouvelle remise, mais qui profite au Sudanais. Ka, transversal avec un 2 contre 1 là-bas sur le côté droit pour les joueurs de Sedan. On attend la meilleure solution. Il faut reprendre de voler. Non, Ka préfère amortir ce ballon. Il est frappé, ce ballon au 20 mètres. Que dit M. Coué? Il y a un geste interdit réalisé par Sarr. Non, coup franc, j'ai l'impression. Coup franc. Un coup franc contre Saint-Étienne. Pour une faute de Sarr qui a mis le pied là au moment où il va frapper. Ka, ouais, pied en avant. Monsieur l'arbitre a raison. Le centre de bloc. Oui, mais. C'est bien, mais il y avait un autre joueur qui était mieux placé que Quint. Oui, mais ça donne quand même, là, Michel, une belle occasion sur un coup de pied arrêté, là, pour les Sudanais qui, eux aussi, savent travailler ces ballons. Ce qui est certain, c'est que Patrick Cromie n'est pas très content de ses joueurs actuellement. On fait les mauvais choix en ce moment. Oui, ben, il veut crier vers son banc. Je suis d'accord avec lui. Attention à ce que prépare Quint, Di Rocco et De Bloc aux Stéphanois et à Jérôme Alonso. 20 minutes de jeu. Là aussi, il ne faut pas se tromper. Le bon choix. Il va reprendre ses marques de bloc. Alex est prêt à jaillir. La frappe, c'est parti. Oh, il est relâché. But ! Le bon choix, il est là. Ouverture du score après 20 minutes de jeu par Frigard, le Norvégien de Sedan. Sur ce ballon relâché par Alonso qui n'a pas vu venir très bien cette balle. Regardons. Oui. Ah, pourtant, ça s'est bien passé au milieu, mais il y a un terrain qui est quand même légèrement gras. Et ça a pu avoir une incidence sur le mauvais arrêt d'Alonso. Ouais, Robert Nouzaret qui n'est pas content, qui s'est levé de son banc. Mais après 20 minutes, eh bien, ce sont les Sudanais qui mènent ici à Saint-Étienne. 1-0 grâce à Frigard. C'est un joueur qui avait joué 51 minutes en première division. C'est son premier but dans le championnat de France. Ah, il va se souvenir quand même qu'il a marqué son premier but à Geoffroy Guichard. Hein. Il y a tellement de joueurs qui voudraient avoir ce prestige de dire j'ai marqué à Geoffroy Guichard. Michel, on est avec Patrick Cromie. Patrick, ce but, il vient concrétiser finalement de bonnes intentions là depuis 5 minutes. Qui n'était pas couronné, c'est vrai, mais quand même. C'est un match ouvert. Là, c'est nous qui avons la réussite. Mais c'est un match qui est fou, c'est un match un petit peu comme on l'attendait, on joue. Là, ça concrétise notre prise de risque. On a eu la première occasion, on a la réussite en deuxième, sur la deuxième occasion. Bon, bah, c'est bien maintenant, il y a 22 minutes, il faut continuer à jouer, à faire plaisir en étant sérieux et respecter le collectif. Non, Patrick Remy, c'est pas un match fou, c'est un match très beau. Très beau parce qu'il y a la vie, c'est fluide, il y a du mouvement, il y a des occasions et il y a déjà un but. Il y a Serre qui essaye de trouver Alex. Oumar Dieng en duel rugueux, mais duel que M. Coué juge licite. On oublie trop souvent que le coup d'épaule est autorisé. Oui. Il y avait un beau service là, Michel, de Di Rocco pour De Bloc qui a pris le ballon sur les talons. Regardez comme ça va vite chez les Sudanais. Hein. Hernandez, Sedanet qui mange le ballon. Est-ce que les Stéphanois vont arriver à le ressortir? Oui, peut-être, mais le service n'arrivera pas jusqu'à Aloisio. Récupération Oliveira. Il garde le buteur et hors jeu. Jeu de De Bloc sur son côté droit. À De Bloc aurait été 4-5 mètres derrière, c'était un ballon dangereux. Ah oui, c'est Gand d'Alonso pardon, qui repousse cette balle juste sur Frigard. C'est franc, dit M. Coué. Oui, oui, il y a une petite faute sur Di Rocco, indiscutable. Le Norvégien est content d'avoir marqué son but, mais ses partenaires aussi. Hein. Pedron qui retrouve Cotillon.
Sarr. Pedrel qui est déjà là. Et là, il y a de la place là-bas côté gauche pour Aloisio. Face à Oliveira. Aloisio. Ça fait des... Oh, il est fort, trop fort ce centre de Cotillon. Ouais, on n'a pas parlé de Robert Luzaret depuis le début, mais c'est vrai qu'il n'est pas franchement satisfait du comportement de ses joueurs. Lui, depuis le début, il demande d'arrêter d'insister dans l'axe et plutôt d'écarter pour tenter de déstabiliser cette défense sudanaise. Oui, mais d'avoir retrouvé Aloisio, qui est quand même une sorte de pivot, c'est presque une incitation à donner des ballons sur lui pour qu'il puisse les dévier. Mais il a raison, c'est... L'efficacité, ce sont des débordements. Ouais, Cotillon là, qui a du mal. Là, il vient de perdre trois ballons, trois duels. Le capitaine des Verts. Est un petit peu perturbé par cette ouverture du score. Je vous rappelle, si vous nous retrouvez maintenant, qu'il y a eu une barre transversale qui a renvoyé un ballon stéphanois dans les premières minutes de jeu. Et que stéphanois se retrouve maintenant mené 1-0. Ballon que voudrait jouer rapidement Aloisio. Pedron. Ça. Pedron. Là-bas, Potillon amorti. Il va frapper. La frappe. Les petits filets. La frappe de Lionel Potillon, le capitaine des Verts, dans le petit filet de Sachi. Ah, c'était encore une position qui était très très bonne. Hein. Mais regardez comme la transversale est très belle. Bon contrôle. Et une frappe peut-être trop puissante. Il aurait peut-être mieux valu essayer une plus de précision. Mais dans ces cas-là, il faut faire vite. Hein. Mais voyez que les transversales au deuxième poteau sont toujours des passes dangereuses. Varme. Là, je pense à nos stats. Il n'y a pas de 0-0 ce soir non plus. Hein. Non, non, non. Pas plus. Il peut y avoir un match nul, mais pas de 0-0. Toujours une frustration à 0-0. Ouais. Hein. Même quand c'est un beau match. Dieng en couverture, en deux temps, ou Aloisio, Oumar Dieng, Chandel, ah ben voilà. Et faute de Oumar Dieng. Ça gagne un peu de temps, comme ça, toute la défense peut se replacer. Oui, c'est coup franc pour pied en l'air. Francis Lasserre pour jouer ce ballon arrêté après 27 minutes de jeu en faveur des Stéphanois. Le ballon est repris. C'est qui Hernandez qui est monté, non? Oui. Oui. Et c'est à côté. Curieusement, il n'a pas été tellement attaqué hein, par un défenseur. Regardez, il a presque tout son temps. Il la prend mal parce que Dumollet. Oui. Il garde un mauvais souvenir du match aller. Il avait additionné deux cartons jaunes. Il avait quitté Stade Émile Albo avant la fin. Il y a moins de sérénité actuellement chez les Stéphanois. Le but les a un petit peu assommés. Mais il reste encore du temps. Hein. Oh là là. C'est Dirocco. C'est Gael qui a blessé Alex Dirocco qui va essayer de reprendre sa place alors que les Sudanais reprennent le contrôle de ce ballon. Alonso qui ne doit pas se tromper, il sait faire, voilà, encore un bon service pour relancer ses coéquipiers. Dans le fond, le vrai libéro, c'est Alonso. Ouais. Hein. Ça fait ça. Pedron. Il n'y a pas non, Alex. Pas Alex. Pas Alex face à Cronier, le centre du Brésilien pour Aloisio. Oui, beau sauvetage avec sérénité de la part de Novak. Regardez cette contre-attaque de Sedan, comme ça va vite. Quin. Arrivé là-bas une nouvelle fois de Cronier, Pedron, Potillon. Et les Verts qui vont repartir avec Papessar. Alex. Sarr qui prolonge vers Guel. Voilà, c'est passé. Mais il y a du monde en défense. Beaucoup de monde dans le rideau défensif des Sudanais. Arrivé du soutien des Verts. Léa Serre qui est monté pour rien. Car Guel s'est fait contrer. Et à son tour, il va empêcher les Sudanais de repartir. Et voilà, on va voir la deuxième montée d'Alonso qui contre-attaque immédiatement, qui ne perd pas le ballon, qui s'applique en le donnant du plat du pied.
C'est bien. Deuxième amorti de Dirocco de la poitrine. Dirocco à terre. Sous la pression de Yasser. Ah, Yasser, c'est un lutteur, un combattant. Hein. Novak, le Slovène, cherche du soutien. Le Norvégien. Trigard. Belle amorti de la poitrine. Après, c'est un peu du billard. Hernandez, grande chance en jambé pour passer le milieu du terrain. Oh, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. En voulant aller vite, il est certain qu'on perd de la précision. Mais pour surprendre les Sudanais, c'est peut-être la seule méthode. Diminuer le nombre de touches de balle et essayer d'approcher le plus vite possible. Mais il y a du jus, hein, Sedan. Hein. Sedanais qui, après leur performance contre Nice, alors que M. Coué va distribuer un carton jaune. Et que vous allez voir arriver près de Patrick Remy, Alex Dirocco. Pour quelle raison? Cheveux au vent, parce que l'élastique qui lui tenait sa chevelure s'était rompue. Donc sur le banc, on a fait ce qu'il fallait. Et voici Dirocco maintenant avec sa coiffure habituelle. C'est Boudaren qui a écopé de ce carton jaune. Oui, des Sudanais, Michel, que vous trouvez très logiquement en forme. Ils ne sont pas rentrés dans les Ardennes après Nice, ils sont allés au domaine de Tournon. Connaissez bien également. Bien sûr, mais c'est là-bas qu'on se prépare. Peaufiner dans le bon air d'Aix-en-Provence leur préparation et éviter un nouveau voyage en avion. Ils sont arrivés tranquillement dans le Forez. De Gael qui a du mal à contrôler ce ballon. Il va être suppléé par Francis Liasser. Aloisio qui aussi a du mal à attraper ses balles parce qu'il y a une pressing terrible des défenseurs sudanais à l'image de Novak. Il y a de l'anticipation de la part du Slovène qui gêne considérablement les évolutions des. Boudaren en slalom. Boudaren qui fait l'effort et qui passe, ce ballon va lui échapper. Et non, il n'est pas sorti. Mais il y a coup franc. Coup franc, monsieur Coué a décidé d'accorder un coup franc au Stéphanois. C'est quand même des actions individuelles hein, qui on y laisse de l'énergie quand même dans tout ça hein. Vous avez vu que le poteau oui, y a des est dédicacé des autographes ou des hiéroglyphes. C'est Goël qui va jouer ce ballon dégagé par les Sudanais. C'est Kvarm qui doit vite se dépêcher. Attention au hors-jeu, déviation de Potillon. Le ballon est repoussé inlassablement par les défenseurs sudanais. Kvarm. Il y a un très bon regroupement de toute l'équipe sudanaise lorsqu'ils ont perdu le ballon. Et ça laisse peu d'espace aux attaquants stéphanois. Ils sont obligés de chercher des trésors de précision. Avec un marquage individuel. Là, on vient de voir Oliveira et Cronier qui se sont parlé pour être sûr que Alex était bien pris. Et on voit beaucoup moins Alex que depuis quelques temps. Là, il est un petit peu dans l'ombre. Il avait peur que le froid ne le handicape peut-être. C'est vrai que c'est en ce moment les mois les plus difficiles pour les Brésiliens. Et pas seulement eux, dans le championnat de France. 33 minutes bientôt. Toujours Sedan avec cet avantage d'1 à 0, d'un but. Regardez, là voilà la solidarité. L'anticipation des joueurs. Ils n'attendent pas d'attaquer le porteur du ballon. Ils essaient d'intercepter avant. Arrivée de Cronier, encore un coup à jouer à 3 contre 4. Cronier pour frapper. Non. Il va laisser ce ballon à deux blocs qui étaient tout près de rentrer dans la surface de réparation. Mais les Verts vont ressortir. Ah, mauvais ballon de relance d'Hernandez. Et là, il y a danger. Si Kvarme avait raté ce ballon, ils étaient à 4 contre 3, les attaquants sudanais. Aloisio. On va retrouver Duel.
Alex qui appelle le ballon, mais qui doit patienter. On ne sait pas à qui donner le ballon, hein. On donne en retrait, hein. Ça va finir par déplaire au public. Ouais. Et on le perd après. Ça déplaît aussi à Robert Nuzaret, on s'en doute. Oui. Allez, ils ont encore une chance immédiate là, pour effacer le brouillon que l'on vient de voir du côté des coéquipiers d'Alonso qui les encourage du geste et de la voix. On est dans l'autre surface de réparation avec Aloisio face à Oumar Dieng et Dieng qui dégage. Oui, il ne s'embarrasse pas hein, d'essayer de faire quelque chose. Voilà, là il laisse à son copain, mais mauvais contrôle, trop long. Voilà. Très très haut, et Sachi est directement sur la trajectoire. Et il relance vite, deux blocs. Oh, la faute. Oh, il y a faute dangereuse pour Pierre de Bloch là. Il a été surpris par le changement de direction de Bloch là, qui avait fait un très bon crochet. Mais tout ça, ce sont un peu des gestes de dépit. On sent au bord du terrain un peu d'impuissance en fait dans le jeu stéphanois depuis un bon quart d'heure, depuis le but peut-être ce dernier. Et Robert Nuzaro a beau s'activer, on sent pas la solution hein, pour l'instant, Michel. Non. Et puis là, on le voit, vous avez raison, c'est des gestes d'énervement et ils se maîtrisent pas très bien. À l'inverse des Sedanais qui sont sereins et qui sont toujours bien organisés. Mais ils ne font pas un match à moitié, les Sedanais. Ils ne défendent pas uniquement. Dès qu'ils ont l'occasion, ils vont tout de suite devant le but des Stéphanois. Yasser. Avec Gwen. Voilà. Depuis le départ du match, on a vu au moins 10 anticipations de cette façon. Anticiper, c'est intercepter. Oui, on recherche systématiquement la tête d'Aloisio. Avec Potillon, Pedron, mais arrivé de Montero. Aloisio, ah, ils ne se sont pas entendus les joueurs stéphanois. Et les Sedanais vont essayer d'en profiter immédiatement pour un service vers Di Rocco qui remet, c'est super, pour Quint qui est poursuivi par trois stéphanois et il faut ça, plus le quatrième, Alonso et Quint qui insiste face au gardien stéphanois et la balle va revenir dans les mains et dans les pieds des coéquipiers de Ligné Quint. Et oui, même Alonso ne sait pas trop faire ce qu'il doit faire du ballon, il est gêné. Et Patrick Romy, il sent bien qu'il y a un super coup à jouer et il continue à dire à ses joueurs que jouer. Attention tout de même, hein, Michel. Ah oui, il ne faut pas tomber dans l'à peu près ou dans l'improvisation trop grande. Patrick Romy qui était en train de parler à Pierrot, ça doit être deux blocs, Pierre deux blocs pour un placement. Et où est ce ballon? Monsieur Coué fait signe. À Quint. Il va le jouer, mais une remise en jeu avec une touche. Arrivée de Boudaren. Alex qui est lobé. Alex qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais attention, ce ballon est dévissé par Dieng qui pourrait bien profiter au vert avec Pedro à la manœuvre. Pedro qui attend, il faut plus attendre trop. Alex qui loupe l'interception de cette balle. On est déjà dans le camp stéphanois où. Presque, non, Di Rocco nous fait mentir, mais c'est pour servir dans de meilleures conditions ses coéquipiers. Et ça repart quand même pour les Verts. Alex Aloisio qui ne s'est pas vraiment compris avec son compatriote. Sachi a dégagé. Tête de deux blocs. Boudaren. Di Rocco. Voilà, on calme un petit peu et on envoie un grand ballon transversal. C'est peut-être pas la meilleure solution. Avec Guel qui attend Liasser. Ouais, mais Liasser voilà. est pris à chaque fois par Novak. Novak qui a passé deux Stéphanois pour essayer de servir maintenant encore dans de bonnes conditions. Heureusement Hernandez est là. Il faut vite récupérer ce ballon.
Qui est le premier? Eh bien, ce sont les Stéphanois avec Sarr. Bon, il y a du monde. Ayoso a voulu servir Alex. Il avait dans son dos Pedron. Dégagement de Sachi. On est à 7 minutes de la mi-temps et ça bouge de plus en plus. Eh oui, le ballon donné à Sachi n'était pas un ballon facile. Hein. Sarr pour Boudaren. Centre de Liasser. Tête d'Aloisio, mais c'est difficile. Et ça passe largement au-dessus. Non, une moue dubitative, on le comprend, de Robert Nouzaret. Non, il ne retrouve pas son équipe, ce qu'elle savait faire il y a encore peu de temps. Mais peut-être que d'être mené à la marque trouble un petit peu l'organisation de l'équipe. On veut aller vite. Dans les deux dernières sorties à Geoffroy Guichard en championnat pour les Verts, c'était 5 à 1 contre l'OM, on s'en souvient, et 1 à 0 contre Nancy. Ballon pour les Stéphanois. Attention, il va prendre un carton pour avoir voulu contester et traîner. C'est Oliveira qui va prendre le carton. Ouais. C'est quand même un petit peu sévère. Hein. On ne peut pas dire qu'Olivera avait raison de garder quelques secondes, mais un carton pour ça, c'est cher payé. Eduardo Oliveira, tout près d'un autre Brésilien, Aloisio. 5 minutes de la mi-temps. Les Verts vont essayer de pousser pour revenir au score. Face à des Sodanais fort entreprenants en attaque comme en défense. Alex sur son pied droit, Alex qui essaye de slalomer pour frapper, qui est contré au dernier moment. Il peut la prendre avec ses deux mains, cette balle qui a été contrée. Et Sachi va pouvoir dégager tranquillement. Tranquillement mais pas précisément. Touche pour les Verts. C'est Hernandez. Ah non, il y a beaucoup de gêne hein, pour relancer. Tous les joueurs sont marqués. Tous les Stéphanois sont bien marqués par la défense sudanaise. Alex, dégagement de Dieng. Alors qu'il y a eu un geste rugueux, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre Diroco et Boudaren, je crois. Boudaren, oui. Les Sodanais ont marqué, mais ils ont surtout réussi à dérégler la machine mise en place par Robert Nouzaret. Oui, parce qu'il y a de bons jaillissements de toute la défense. Ils attaquent bien tous les ballons. Ils empêchent de jouer. Regardez ça. Ils se font prendre 4 fois sur 5 en milieu de terrain, les Verts. Il ne faut pas que les Stéphanois s'énervent. Pedron. Aloisio. Aloisio face à Cronier, c'est difficile, mais ça passe pour Liasser. Touche de Liasser. Ça. Et ça sort pour les Sudanais. Hein. Novak fait un bon match. Ouais. Très bon match. Côté gauche, en plus il n'hésite pas à monter et à mettre en danger ses vis-à-vis Stéphanois qui récupère quand même le ballon là avec Sarr qui se fait piéger une nouvelle fois par le travail de Diroco. Diroco, nouveau service, deux blocs demandés dans les pieds. Mauvais service. Il y avait beaucoup mieux à faire. Nouvelle relance des Stéphanois, mais il reste moins de deux minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette fin de première mi-temps. Alex, ça n'arrive pas, à l'image de toute cette première mi-temps des Brésiliens qui se sont trouvés rarement. Hernandez avec Liasser. Gael.
Monsieur Couélès, l'avantage à Aloisio qui est contré par Oliveira. Un double contre, le ballon est Stéphanois. Oui, 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 c'est juste. Sedan a repris le contrôle de cette balle avec Frigard qui demande et qui va recevoir un nouveau ballon d'attaque. Là, il y a du monde face à lui. Di Rocco qui essaye de s'infiltrer, qui cherche la faute. Monsieur Coué fait signe à Alonso de jouer. Gale. Avec Alex, Papessar, Pedron, à qui lui rend, mais c'est pas assez précis. Et du coup, Sedan repart. 2 minutes de temps supplémentaire. Alors qu'il laisse à Frigard. Hors jeu. Alors on joue et danger. Balle de 2-0 pour Dobloc qui doit frapper. Et but. Ballon idéalement placé. Avec un coup de tonnerre ici à Geoffroy Guichard à quelques secondes de la mi-temps. On est dans les arrêts de jeu. Voici les Sedanais, Michel, qui mènent 2-0. Oui, on avait pensé que Dobloc avait fait le geste de trop. Il a très bien su. Là, il a de l'avance. Hein. On croit qu'il peut aller tout seul. Il est contré, mais il garde toute la lucidité, toute la maîtrise d'une frappe de l'intérieur du pied qu'il place. Et voilà, deuxième but. Et avec un hors-jeu que voulaient signaler les Stéphanois, mais vous avez vu, on le reverra tout à l'heure à la mi-temps. Liasser était en train de revenir et couvrait. En tout cas Dobloc qui faisait action de jeu sur son côté droit lui. Et bien voilà les affaires qui se compliquent nettement pour des Stéphanois dont la machine, on le disait, était déréglée. Et là la machine est carrément en panne hein. 2-0. Il faut dire qu'à l'aller les Stéphanois menaient 2-0, ils ont perdu 3-2. On va revoir Dobloc. Oui, ballon super bien placé. Pierre Dobloc qui marque là son sixième but. La particularité de cette équipe sudanaise, c'est qu'il y a un partage pour marquer les buts. Hein. C'est pas comme chez les Stéphanois où Alex est loin devant. Là, il y a Mionnet, il y a Quinte, il y a Dobloc. Hey, Dobloc, il y a Thierry. Et il est co-leader maintenant de son équipe avec Mionnet. Oui, il va rattraper Mionnet à cette allure-là. Cédric Mionnet qui va devoir patienter pour soigner sa déchirure musculaire. Tête de Lercer. Yang, Monsieur Coué va intervenir pour redonner le ballon au joueur de Patrick Remy. Il reste 20 secondes à jouer. Et à Geoffroy Guichard, on va quitter les joueurs avec 2 buts d'avance pour Sedan. Tête de Tiroco. Hernandez. Hernandez face à Friard. Novak. Et c'est fini. Voilà cet avantage. Confirmation. 2-0 pour l'instant en faveur de Dobloc et de Friard. C'est un handicap très grand, mais il y reste heureusement encore 45 minutes pour les Stéphanois. Mais sur cette première mi-temps, là, l'avantage est normal parce que le jeu a été beaucoup plus direct, a été beaucoup plus fluide de la part des Sedanais. Pierre Dobloc, comment vous avez fait pour troubler, pour faire douter cette équipe stéphanoise? C'est un peu du quitte ou double. On sait que c'est une équipe qui a un potentiel offensif important, mais ils prennent énormément de risques. Et ils remontent... en s'alignant et en partant de loin, on savait qu'on avait des coups à faire, mais si peut marquer d'entrée, ça a été à pile ou face et on a gagné pour l'instant. Dites-moi, on ne va pas vous porter la poisse, mais ça ressemble étrangement au match aller, mais dans l'autre sens. Oui, j'espère que ça va s'arrêter là à la mi-temps et que la fin de l'épisode sera différente. Merci Pierre. De rien. Voilà, pendant que Pierre Dobloc répondait aux questions de Vincent, Thierry Burgalière nous a proposé une nouvelle fois ce but sedanais qui va peser lourd là. En plus la machine était déréglée du côté de Saint-Étienne, ce but qui vient à la 45e minute de jeu. Tiens, pour l'anecdote, Mionnet avait marqué à la 45e minute au match aller et c'est ce qui avait peut-être relancé les Sedanais. Oui, bien, de toute façon, on le dit toujours,
rentrer à la mi-temps en prenant un but quelques secondes avant, c'est toujours un coup au moral, surtout quand il y a déjà un but de retard. 2-0, ça va être très dur pour Robert Nouzaret de remonter la mécanique, mais 45 minutes, c'est long. Et on peut voir de belles choses en deuxième. Et Geoffroy Guichard a connu d'autres gros rebondissements ces 45 minutes. On va revenir aux matchs qui se sont joués hier soir. Et puis en président de Sedan, président, vous avez vécu ce match, ce début de match au froid comme nous, mais en bas, quel sentiment vous a laissé cette vision depuis le bord de la touche et depuis le banc? D'abord qu'on a assisté à un match de qualité qui a démarré très très rapidement avec deux occasions très franches, une pour chaque équipe. Bon, on a marqué assez rapidement, donc après on a souffert, on a suivi un petit peu le match, mais finalement je crois qu'on a joué de manière très réaliste et efficace. Et on voit le but. Alors voici le premier but, le ballon relâché. Voilà. Et parlez-nous de ce Norvégien là qui est arrivé quand? Il est arrivé le 31 août. Frigard. C'était Geir Frigard qui avait joué en Autriche, qui avait été meilleur buteur du championnat autrichien il y a deux saisons. Et on l'avait fait venir un petit peu pour pallier le départ de Pius Ndiaye à la CAN, donc qui est réalisé aujourd'hui. Et donc Geir Frigard est titulaire maintenant depuis deux matchs. Il a joué à Nice samedi et ce soir contre Saint-Etienne. Parce que bon, on a Diri qui est aussi parti à la CAN, donc il nous fallait quand même un effectif quantité. Bon, on espère qu'il soit de qualité. Donc ce soir on a une démonstration. Bon, on va voir, le match n'est pas fini parce qu'à Saint-Etienne tout est possible avec le potentiel offensif qu'ils ont, c'est quand même impressionnant. Oui, mais un potentiel défensif qui a été mis à mal. Là on voit le deuxième but de vos joueurs avec Doblok qui termine très très bien ce travail sudanais. Saint-Etienne a des difficultés derrière avec les absences de Metomo et Wallem. C'est évident qu'il leur manque l'axe central, ça il faut quand même le reconnaître. Et nous, il nous manque Cédric Mionnet et Ndiaye, donc chacun compense comme il peut. C'est vrai que ce deuxième but nous donne une marge de sécurité. En tout cas, Michel Hidalgo est comme nous, il a été enthousiaste dans ses commentaires à propos du jeu de Patrick Remy et de vos joueurs, hein, Michel. Oui, parce que c'est un jeu direct, c'est un jeu fluide, ça va vite devant l'autre but, et en même temps on ne tergiverse pas en cours de route. Alors vous avez perdu, vous avez les deux attaquants. Mionnet est blessé, Ndiaye qui est parti, vous en mettez deux autres et de nouveau vous avez deux buts à la mi-temps. Comment vous faites? Alex Diroco, on le connaît, c'est un garçon qu'on connaît depuis longtemps, donc qui est peu de fois titulaire mais qui est toujours très efficace et très présent. Je crois qu'il amène sa présence physique sur tous les fronts du terrain. Puis Geir Frigard, on le découvre en France, bon, c'est son premier but. Je crois qu'il ce qu'il a fait ce soir, on l'attend, c'est-à-dire un garçon qui va travailler dans les 18 mètres et qui est toujours prêt à mettre un plat du pied comme ce soir, à mettre un ballon au fond. Bon, j'espère qu'on a eu la main heureuse, bon, la suite du championnat nous le dira. Puis Pierrot de Bloch a confirmé ses talents de buteur et de passeur. Je crois que Pierrot de Bloch, on l'appelle l'incroyable, je crois qu'à nouveau ce soir. Moi, la seule peur que j'ai, c'est qu'on tombe un petit peu dans le piège de Saint-Etienne qui veut vraiment nous attirer dans un football trop rapide, je crois. Mais on ne peut pas non plus renier nos valeurs et nos qualités. Donc, vous avez bien maîtrisé la première mi-temps, très bien. Président, vous savez qu'on l'a vu avant le match, vous avez des joueurs et un entraîneur qui ont bien les pieds sur terre. On va vous montrer, après cette nouvelle joie de Doblok, le classement à l'heure actuelle. Hein, on fait fi un peu des autres résultats. Mais le Paris Saint-Germain est à 37 points. Auxerre, on verra tout à l'heure ce que font les Auxerrois. Sedan, pour l'instant, remonte, 31 points. Vous êtes même devant des Bordelais qui ont perdu hier. Quel sentiment vous avez, vous, le président? Parce que, bien sûr, tous les supporters des Sangliers poussent. Patrick Rému, il dit, mais non, la Coupe d'Europe, c'est pas pour nous. Nous, on va regarder la semaine qui vient pour pas descendre. Quand on regarde le classement, on a du mal à en croire, à voir et croire ça, je veux dire, avec en début de saison, on n'aurait pas parié un centime sur nos chances, mais bon, je crois qu'on est là, on est bien là. Et puis on a, je crois que c'est la qualité de jeu surtout qui est le plus important. Je crois qu'on n'est pas à l'énergie, on s'est déployé un jeu rapide dans les contre-attaques. Je crois qu'on a de la qualité, les garçons ont du talent et je crois qu'ils sont bien dans leur tête et le mental est très important à ce niveau-là. Et vous avez des supporters, des Sangliers qui ont fait le déplacement. C'est mercredi, c'est pas facile. Oui, c'est pas simple. Michel, un dernier sentiment, une dernière info pour Michel Bérard et puis ensuite on retrouvera les joueurs. Mais il faut quand même rappeler que Sedan a un match de retard. Et oui, ce serait juste le 19 qu'on verra sur kiosque. C'est quand même important. Et vous jouez chez vous? On a le match en retard contre le Havre. Donc, en principe, c'est mercredi, mais il y a beaucoup de mon état actuellement dans le nord de la France. C'est terrain gelé, beaucoup d'eau. Donc, en principe, c'est mercredi. Enfin, c'est une possibilité. C'est une nouvelle. Allez, vous jouez pas chance. Le titre. Hein. Non, on va jouer encore le métier. Michel, on reste humble et modeste. Voilà. Il faut que vous redescendiez. Ça y est, vos joueurs sont tout prêts. Merci beaucoup. Gardez bien les gants comme nous au chaud. Nous, on va retrouver la pelouse. Et à bientôt. Merci en à tout vous. Cas, à la fin du match. Allez. Et puis Vincent nous dira depuis le bas
s'il y a eu des changements, s'il peut avoir des infos sur cette mi-temps. C'est vrai que ça a dû chauffer un petit peu dans le vestiaire des Stéphanois auprès de Robert Nouzaret. Je vois la Carmeux, il y a là également l'arrivée d'Hernandez, de Pedron. Pas de changement à l'horizon. C'est vrai aussi, Vincent, qu'il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il manque déjà des gens pour raison de Coupe d'Afrique des Nations et autres blessures des deux côtés. Est-ce qu'on peut Sablé là, Michel Hidalgo, Sablé là, donc il y a un changement du côté de oui, Saint-Étienne. Un pur produit du club là, le centre de formation, Sablé. Oui, Julien Sablé s'est préparé pendant la mi-temps et il y a Patrick Crevel aussi qui devrait pas tarder à rentrer. Donc du changement pour essayer de renverser la situation en défaveur de Saint-Étienne pour l'instant. Oui, est-ce qu'on peut rappeler également que Sedan a le plus petit budget de la division hein. Oui. C'est quand même... important de voir que sans beaucoup d'argent, on peut quand même construire et bâtir une équipe comme l'a fait Patrick Remy. Voilà, Revel qui rentre, comme l'annonçait en anticipant Vincent voilà. Alix. Revel rentre à la place de qui, Vincent? À la place d'Aloisio et Sablé à la place de Pape Sarr. Aloisio est sorti. Alors, Monsieur Coué est prêt. Tout est en ordre. Et voilà la deuxième mi-temps de ce Saint-Étienne Sedan qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Sedan qui fait un apprentissage en division 1, un apprentissage permanent. Chaque match, la plupart des coups, la division 1. 80% de l'effectif n'avait pas joué en première division en début de saison. Robert Nouzaret à côté de nous. Robert, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour qu'ils retrouvent de la confiance dans le jeu? On a d'abord besoin d'amour propre pour réagir parce que c'est une des plus mauvaises premières mi-temps que l'on fait depuis le début de saison parce que Sedan nous a très bien pris tactiquement et on n'a pas fait les efforts qu'on fait d'habitude dans la récupération et dans la réflexion pour pallier à ce phénomène. Et puis maintenant c'est d'essayer de marquer un but rapidement pour voir si moralement on est capable de revenir. Ah, le meilleur moyen de revenir hein, ça serait de marquer un but. Oui, attention encore à cette frappe, même si elle est bien dévissée là, trop dévissée par Pierre de Bloc. Et Alonso s'est déjà précipité pour vite remettre ses coéquipiers en jeu. Ah oui, il va falloir tout de suite essayer d'avoir une réaction dans cette équipe stéphanoise. Faire douter un petit peu cette équipe des Ardennes qui, avec deux buts d'avance, et qui ont joué avec beaucoup de calme en première mi-temps et essayer de les troubler, de les déséquilibrer un petit peu. Mais pour ça, il faut un jeu qui correspond plus à... Duel s'est enfoncé dans la surface, le centre, le ballon est dégagé par Montero qui était en difficulté mais qui a réussi à repousser cette balle convoitée par les attaquants stéphanois qui vont vite se relancer à l'image de Liasser pour servir ses coéquipiers offensifs. Alex, ballon contré, récupération de Novak, Diroco, Georges Frigard, ouverture de Hernandez. Cotillon. Boudaren, Varmeux. Oh, que c'est bien donné ça. Très très bien donné. Dans la course, arrivée de Liasser, sortie de Sachi. Et corner pour Saint-Étienne. Ah, c'est la première fois qu'on voit un petit peu de panique dans la défense sedanaise. Ballon frappé. Et la tête, c'est pour le plus grand, Diroco. Le ballon pour Goël. Au-dessus, ce ballon de Julien Sablé pour son premier ballon intéressant. Ça passe 20 à 30 cm au-dessus des buts de Sachi. Très bonne passe hein, dans l'axe mais, et surtout geste très vif de Julien Sablé pour réceptionner et frapper.
Potillon qui pousse son ballon, mais le contre est favorable. Lionel Potillon, Pedran, récupération des Solanais, pas sûr. Potillon, Pedran ont repris le contrôle de cette balle. Centre de Pedran, mais directement sur Sachi. Quin, Dirocco, pris par Kvarmeux. Ah, il faut du mouvement, hein. Si Saint-Étienne ne bouge pas, ça sera difficile de passer cette défense là qui est soudée, compacte. Bell dans l'axe pour Alex qui essaye de se retourner, qui serre Revel. Pedron sur son pied gauche qui centre ce ballon une nouvelle fois. La balle est dégagée par les Sedanais. Les Stéphanois n'arrivent pas à l'attraper au passage. Si, peut-être là avec Hernandez. Varmeux, Potillon. Ah, il faut venir vers lui, il ne faut pas partir. Pedron prépare deux blocs. Arrivé en soutien de Montero. Mais ballon pour Saint-Étienne. On peut s'apercevoir qu'en deuxième mi-temps, Pedron joue beaucoup plus sur le flanc gauche. C'est un besoin d'écarter le jeu pour l'attaque stéphanoise là. Et Guel est sur la droite. Le long dégagement de Nicolas Sachi. Avec Quin. Puis Frigard, Olivier Quin. Oh, le bon centre pour Dirocco. Intervention et anticipation d'Alonso. Eh oui, mais les joueurs ne regardaient pas. Ils voulaient donner tout de suite à Pedron et ils ne regardaient pas son gardien. Pedron qui sert Revel. Face à deux Sedanais. Revel pour Boudaren. Guel, Alex, Guel qui rend au Brésilien, qui n'arrive pas à se retourner. Alors que Liasser avait fait l'effort là-bas, il était seul côté droit. Et ce sont les Sedanais qui repartent avec Friard. Deux blocs. Dirocco. Premier, Dirocco, attention à Potillon. Oula, qu'il ne recommence pas le même coup que contre Nantes dimanche dernier où Potillon avait surpris Alonso. Revel, pris par Montero irrégulièrement. Ah, on sent qu'il y a de la détermination quand même hein, chez les Verts. Et dans le public aussi, hein, il y a des encouragements là. Hernandez. Celui qui va pousser une nouvelle fois dès qu'on passe la ligne médiane. Ah, mais les Verts doivent se reprendre à deux fois. Alex qui est pris à son tour. Revel, arrivé de Guel contre défavorable. Pedron tout près de la surface. Pedron qui est gêné par Montero qui a réussi à transmettre à Nicolas Sachi. Pedron, il en a toujours deux face à lui, ça ne passe pas. Solidarité du côté des Sedanais qui vont même obtenir un coup franc pour cette faute sur Huard. Voilà Nestor Soubia, joueur stéphanois à échauffement. Alex, trois Stéphanois et c'est Cronier qui prend le dessus. Tête de Potillon pour Sablé. Hernandez, Farmeux. Yasser, et cette fois qu'il trouve bien Guel. Guel, faute sur Guel. Monsieur Coué l'avait vu. C'est un juge de ligne également. C'est ouais. Novak qui fait faute. De loin, ça paraissait pas très évident, mais l'arbitre de assistant était très très bien placé. Et puis ce geste de la main, et pas seulement peut-être le coup d'épaule là.
Donc un coup franc à suivre pour les Stéphanois. Ballon bien haut pour la tête de Potillon, mais directement dans les bras de Nicolas Sachi. Boudarène. Les Verts qui monopolisent le ballon maintenant. Un ballon offensif avec Boudarène. Sur son pied droit, il n'arrive pas à tacler ce ballon. Et si, il l'a taclé, mais il a taclé irrégulièrement. Il y a la volonté d'aller vers le but sedanais, mais ça manque quelquefois un petit peu de lucidité. Là, c'est un coup de tête, mais pas très dangereux. C'est vrai, Michel, que les intentions sont bonnes du côté de Stéphane depuis le début de cette deuxième période. Surtout du côté, sur les côtés, c'est ce que demandait Robert Nouzero. Il y a plus d'appels de balles de Gaël et de Pedron, côté droit ou côté gauche. Donc. Et Vincent Gaël encore, cette fois c'est dans l'axe. Et c'est trop imprécis, parce que trop profond. L'attaque est beaucoup mieux déployée ainsi avec Gaël sur la droite. Les deux, Revel et Alex dans l'axe, qui peuvent jouer sur des espaces restreints. Mardieng, mais ballon pour Revel, qui va écarter vers Pedron. Ballon difficile à capter pour Stéphane Pedron, qui réussit un bon service là pour Julien Sablé, qui a du temps pour se remettre sur son pied droit, pour centrer. Oh, Sablé a manqué un centre qui semblait peut-être assez simple, Potillon. Pedron, ballon contré par De Blocs. En plus, ils n'ont pas les comptes favorables et Sedan tient bien la maison. C'est parti, là pour Alex, qui n'arrive pas à prendre ce ballon. Encore une fois, l'illustration de ce ballon que ne quittent pas les Sedanais, ou en tout cas temporairement. Potillon, Hernandez. Boudarène, Guarmeux, Gaël qui est accroché, nouvelle montée de Liasser. Francis Liasser, face à lui il y a Novak. Centre de Liasser, tête de Pedron et intervention de Nicolas Sachi. Pour l'instant, des ballons qui arrivent mais qui ne sont pas trop durs à attraper pour Sachi. Hein. Non mais les actions sont quand même mieux coordonnées actuellement chez les Verts. Il y a des possibilités, ce qu'il faut c'est continuer, maintenir la variété des attaques. C'est beaucoup plus varié en deuxième mi-temps qu'en première. Beau travail de deux blocs là, pour Huard. Et beau travail également pour ce service vers le Norvégien Frigard. La frappe, c'est au-dessus. Quelle occasion, l'occasion du chaos pour le Norvégien Frigard. L'occasion du 3-0 avec un très bon service de ses coéquipiers et un ballon deux blocs Huard parfait. Oui, il avait bien protégé son ballon, mais il s'est un peu penché pour frapper, et ce qui a fait passer le ballon au-dessus du but. Vous voyez, il est obligé. Voilà. Ah, c'était le moyen de tuer le match. Là, 3-0, les Stéphanois ont eu du mal à se remettre moralement et psychologiquement. Allez, il faut que les Stéphanois essaient de remonter un petit peu plus vite. Vous gardez moins le ballon dans les pieds derrière et au milieu. Donnez beaucoup plus vite devant. C'est pour ça qu'il faut diminuer le nombre de touches de balle. Parce qu'à chaque fois, il y a une possibilité d'interception de la part des Sedanais. C'est un petit peu lent. Potillon, c'est lent. Et là, c'est trop fort car Sachi se régale sur ce genre de ballon. Il a toujours deux ou trois longueurs d'avance sur les attaquants. Stéphanois qui a l'image, Pedron me semble grimacer un petit peu et trouver le temps bien long hors jeu de De Blocs. De Blocs, l'homme aux trois poumons, dit-on à Sedan. Qui réclame cette balle, mais elle est à l'avantage des Stéphanois. Hernandez, Varme. Aïe, aïe, aïe. Ils sont en place, hein, les défenseurs. Une équipe sudanaise qui est compacte, qui laisse peu de place. Hein.
peu de place aux Stéphanois pour évoluer. Francis Yasser qui est persuadé d'avoir sauvé ce ballon sur la ligne de touche en face de Mouzaret. Sablé qui est pris. Ballon contré, Pedron. On trouve Potillon. Alex qui essaye de venir chercher les ballons, mais ce ballon le fuit. Il y a Porge, attention à Dirocco, roche de Dirocco qui va se présenter dans la surface face à Kouarmé. La frappe est contrée. Beau retour de Francis Liasser qui l'a aussi, Michel, évite de gros ennuis à Alonso et Aubert. Oui, il a tardé un petit peu trop, Dirocco, là. Il avait une possibilité de donner au Norvégien. Il a voulu tenter seul, mais trop lent. Contré au dernier moment. Mais c'était encore une balle de 3-0. Hein. Ça fait 2 depuis la reprise de mi-temps. Ouais, et il reste une demi-heure maintenant. On a passé le premier tiers de cette deuxième partie du match. Oliveira au-dessus. On rappelle les trois derniers matchs de Sedan à l'extérieur. Victoire à Nancy, défaite à Monaco, mais 2-1 et nul à Bordeaux. Et si on ajoute ce soir une victoire à Saint-Étienne, les performances loin de Sedan et des Ardennes. Bah, quand on les voit jouer ce soir, on comprend pourquoi. Hein. Tout se joue à 101% au moins de leurs moyens. C'est volontaire, il est déterminé et surtout c'est une équipe très soudée. Ils pensaient au maintien en début de saison. Ben, ça passait d'abord par tout ça, par toutes ces qualités-là, et ils en font même un peu plus maintenant. Cette fois, ce ballon va sortir. Ils ont gardé un petit peu l'état d'esprit de la D2. Mais Michel, Patrick Rémy a même une réflexion plutôt étonnante. Il dit « Mon équipe est laborieuse ». Et c'est vrai que ça surprend quand on entend ça. Hein. Oui, mais elle est laborieuse, mais elle le sait, donc elle travaille bien. Il évite de qu'il y ait trop de compliments, parce que quelquefois, quand il y a d'autosatisfaction, il peut y avoir une petite démobilisation, et il ne veut surtout pas de ça. On a entendu Patrick Rémy, là. On l'entend encore, qui rouspète un peu après Pierre Dobloc. Sablé, le ballon est vert, et rendu à Sachi. Il a été contré, mais Sachi est intervenu. Et voilà, Patrick Rémy. Avec le froid qu'il fait, il a peu de chance de garder de la voix, mais c'est pas très important par rapport à 3 points que pourraient chipper aux Stéphanois les Sedanais ce soir à Geoffroy Guichard, à moins de 30 minutes de la fin de la partie. Guel. 3 points, c'est vraiment un coup de soleil. Hein. Oh là, dangereux. Face à Kouarmé. Pour qui ce ballon? On se tenait par la main. Monsieur Coué laisse jouer. Revel, Guel. Et puis Dieng. Le ballon va être stéphanois, je crois, Michel, pour un coup franc à l'avantage des Verts. Qui se dépêche. Alex est allé chercher ce ballon. C'est un petit peu loin là. Hein. Là, il faut une combinaison. Parce que direct, j'y crois pas. Non, puis Pedron est déjà en place là vers la surface. On a joué rapidement. Potillon. Le banc pour Revel, la tête de Revel en déviation, la serre et ballon dégagé et repoussé par Novak en corner. Un but à 30 minutes, 28 minutes de la fin de ce match. Il faudrait donc un but pour les Stéphanois pour relancer complètement la fin de la partie. Le corner et le pied gauche de Stéphane Pedron. Dégagement d'Oliveira. Et Quint. Du soutien, il ne l'a pas. Les Verts ont récupéré et rendent ce ballon au Stéphanois. C'est la même chose pour les Sedanais. Il y a un petit peu de déchet là, actuellement dans l'équipe sedanaise. On joue Revel qui a de la place. La frappe qui est ratée
Et Liasser encore qui écarte les bras là-bas côté droit, qui monte souvent pour rien. Et oui, quand on est sur le terrain, c'est pas facile de voir les joueurs démarquer. D'ici, nous, on les voit très très bien. Ah, puis on le voit, le terrain de Geoffroy Guichard pour un mois de janvier se comporte plutôt bien, mais il commence un petit peu à souffrir en certains endroits. Il y a des plaques de gazon et ces ballons qui rebondissent au moment de la frappe. Ils vont gêner maintenant les versions offensives des deux formations. Oliveira, Imperial. Hein. Oui, mais il n'y a plus Aloisio devant. Hein. Alors les centres maintenant ont beaucoup de difficultés à être interceptés par les attaquants des Verts. Là. C'est plus les défenseurs qui réussissent à dégager. Match délicat pour Alex. Oui, parce que Alex est très bon, tout ce qui se passe dans les 16 mètres 50. Attention à Gueule qui centre bien. Et attention à la reprise de volée. Elle est dégagée, cette balle, par Oumar Dieng. Mais les Stéphanois vont pousser une nouvelle fois avec Potillon. Encore un ballon dans la surface. Il y a de la place là-bas pour Gueule. Alex au cœur de la surface. Ballon contré. Et balle qui sera dégagée par Cronier sur Liasser. Ça va revenir. Gueule encore. Contré. Nouveau contre. Nouvelle chance pour Gueule. Avec Boudaren. À gauche. Le pied de Piedron qui essaye de frapper à son tour. Mais c'est pas la vraie frappe de Stéphane Piedron. En plus, ça a été contré. Hein. Ouais. Attention au rebond. Varmeux face à un autre Norvégien. Ouf. Feyard. Et Hernandez. Potillon. C'est un club sedan avec un statut de petite cylindrée, si on peut parler comme ça. Mais sur le terrain, ce sont des grosses cylindrées. Varmeux. Il a attendu. Liasser était là. On joue le ballon. Il faut jouer. Il faut aller le chercher. C'est ce que fait Dieng, même si Liasser est à terre. Ou grand pont de Dieng sur Revel. Et Oumar Dieng qui dégage pour permettre aux soigneurs d'intervenir auprès de Francis Liasser. Avec Patrick Remy sur le banc touche. Patrick, le danger pour votre équipe, c'est pas de laisser venir et donc de subir petit à petit. Bah, subir, on subit quand l'adversaire prend tous les risques. Là, il joue long, donc on est obligé d'attendre. Moi, je veux pas jouer leur jeu, c'est trop aléatoire de mettre une décision de jeu entre les mains du juge de touche. Donc nous on ne joue pas la ligne, donc on attend à 30 mètres. Maintenant on est en bloc, ça ne nous empêche pas d'avoir 2-3 occasions nettes. Je crois qu'on a eu plus d'occasions nettes qu'eux, donc c'est tout à fait logique. Là on ressort des ballons. Bon, maintenant il faudra mieux gérer encore les dernières avant-dernières passes comme maintenant là et s'il la laisse passer, ben, c'est au deuxième poteau. Donc il faut s'informer et prendre la bonne décision. Patrick Rémy, consultant aussi. Hein, oui, consultant, commentateur en direct. Il va suivre également Revel dans la surface. Revel qui n'arrive pas vraiment à redresser la course de ce ballon. Revel qui fait l'effort à nouveau, qui est pris par Novak. Monsieur Coué va rendre cette balle pour un coup franc au Stéphanois. A noter que Gaïr Frigart vient de regarder Patrick Rémy pour demander à sortir. Gaïr Frigart qui aura fait un gros travail ce soir à 25 minutes de la fin. La tête de Potillon, elle est manquée. La reprise également de Pedron qui redresse la course de ce ballon, mais insuffisamment. Ça ne veut pas rigoler pour Potillon et ses coéquipiers lorsqu'il s'approche des buts de Sachi. Le ballon n'a pas été frappé par Potillon. Mais il y a un petit peu moins de clarté dans le jeu des Sedanais. Hein. Et ça se comprend, la fatigue, la poussée des Stéphanois, vouloir tenir un score, garder le 2-0, tout ça trouble un petit peu le jeu. Mais ils sont quand même toujours bien soudés. Hernandez. On est en train de rappeler du monde sur le banc des remplaçants. Faute sur Liasser qui va se fâcher. Attention, Francis Liasser, il faut garder du sang-froid car c'est vrai que le duel est physique et de plus en plus physique avec Novak. Carton jaune pour Novak, le Slovène.
Ouais, vous avez entendu Patrick Cremier appeler un joueur. Il s'agit de Freddy Bourgeois qui donc pourrait remplacer Brigart dans quelques secondes. 3 minutes, il lui a dit. Hein. Tiens, 3 minutes. Il faut qu'il s'échauffe en 3 minutes. Qui a joué 13 minutes en première division. C'est des beaux baptêmes, ça. Hein, qui la tête Hernandez. Et puis ce ballon va courir là-bas pour être dégagé par les Sedanais. Récupération. Saint-Étienne, Boudarène, Sablé, ouvre pour Liasser. Alex, le centre de Liasser, d'Alex, Guel qui se fait prendre à son tour. Et la contre-attaque, attention, hop là, non, c'est donné dans le dos. Diroco va s'excuser. Il décolle haut, et bien Liasser face à Novak. Et voilà encore Francis Liasser pour centrer, mais ça devient dur. Pedron fait l'effort. Potillon. Oh, dans l'axe, personne du côté des Verts. Dieng a dégagé. Diroco. Diroco qui fait un travail pour garder le ballon, ouais, pour le protéger. Boudaren qui a vu l'arrivée de deux blocs, mais il faut vite se dépêcher. Voilà qui est fait. Sablé. Non, et là, Pedron, là, c'est pas un cadeau pour Pedron. Non. Il faut dégager le terrain avant de pouvoir le donner comme ça. Est-ce que Thierry va nous remontrer, oui. Regardez comme il décolle. Joli geste de Francis Lasserre. Amorti en pleine course comme ça. Ballon entré. Très bien fait. Très bien fait, mais ça paye pas encore. Voilà, changement annoncé tout à l'heure par Vincent. C'est Bourgeois qui rentre donc à la place de Brigard, dont on retiendra le premier but en première division française à Geoffroy Guichard. Et Philippe Bourgeois qui est revenu vers son banc parce qu'il avait oublié de retirer son alliance. Montero, on fait signe à Montero de jouer, il faut se dépêcher, dit Monsieur Coué. Sablé. Pedron. Ah ouais. Toute l'impuissance des Sedanais. Et là, ils vont être en danger, les Sedanais. Ouh, Alonso qui feinte bien. Il continue hein, son petit travail de libéraux. Bourgeois. Là, ça va vite du côté des Verts. Ils vont essayer de se centrer. C'est vers Nicolas Sachi élevé. Mais sauvetage de Montero. Au moment où Pedron était prêt à frapper de la tête. Ça pousse. Diroco. Deux blocs. Avec Cronier. Luard. Quien là-bas qui a un petit couloir. Face à Quarmeux, oh, petit pont, Olivier Quint et but, oh là là. Voici là le là but du chaos. Voici le 3-0 pour Sedan. 3-0 à 20 minutes de la fin du match. Et bien les Verts cette fois auront bien du mal à s'en remettre. C'est fait d'une manière simple mais efficace. Regardez, une sorte de grand pont, petit pont. Et avec quelle maîtrise il arrive à mettre le ballon au fond des filets. Ah, c'est deux blocs, quinte, c'est une fortune pour un club. Et Patrick Crémy, Michel, s'est retourné vers son banc quand aucun a marqué et il a dit, et en plus, il est beau. Ah oui. Ah, c'est un régal, travail superbe. Il avait de la place, on l'a dit, il avait un petit couloir. Ensuite, petit pont et gros talent pour Olivier Quint. Sixième but personnel. C'est lui qui avait marqué ce but qu'on vous a remontré, qui avait marqué à la 90e minute, but qui avait permis aux Sedanais de gagner face à Saint-Étienne. Quand on va voir la répartition des buts marqués par les Sedanais. Oh, ils vont le mettre là. Oui, ils le mettent là. Ça y est, voilà l'illustration de la Chkoumoun pour l'instant et des ballons qui n'arrivent pas. Eh bien, c'est terminé. Attention, rebondissement en fin de match. Voici après le but de Quint, une minute à peine. Le 3-1, but de Saint-Étienne pour Pedron. Eh bien, ce but va faire du bien parce que ça aurait pu être un chaos définitif avec le 3-0. Là, il va y avoir d'un seul coup un élan nouveau. Pourquoi pas revenir dans ce match-là.
Ah oui, pour une fois, ce sont les Sedanais et Sachi qui se sont manqués. 3 à 1. 72e et 73e minute de jeu. Eh oui, il reste même pas 20 minutes de jeu là. Attention à Sablé, l'occasion de centrer. Dégagement de Dieng, mais ballon à nouveau à l'avantage des Verts. Alors on y croit à nouveau sur le banc stéphanois et du coup on a rappelé les remplaçants Subiat, Ferraoui, ça pourrait rentrer dans quelques minutes. En tout cas un des deux bien sûr. Boudarène, attention à Sachi qui sort bien là devant Revel. Ah, il va falloir pour les Sedanais peut-être un petit peu casser le jeu. Le garder un peu dans les pieds, les faire courir le ballon. Hernandez va prendre un carton. Parce qu'il y a un élan qui a été retrouvé un petit peu à Saint-Etienne là. Ouais, c'est Nestor Subiat qui va rentrer dans quelques secondes. On ne sait pas encore à la place de qui. Oui, il a la puissance de Subiat et peut faire mal. Et voilà, entre les jambes tout à l'heure c'est passé. Kvarmeux là qui grimace, Quin qui regarde ce qui va se passer, qui fixe. Impeccable. Ah, c'est fait avec une grande confiance. Hein. La détresse d'Alonso. Il a bien maîtrisé la course, il a bien maîtrisé la frappe. Joie intérieure. Oui, oui. Joie totale. Ça y est, ça sort, le sourire arrive. Oui, je disais tout à l'heure, quand on va faire la répartition des buts de Sedan, on va voir combien c'est partagé par toute l'équipe. 6 pour deux blocs, 6 pour Quin. Mionnet. Di Rocco 4, Mionnet au-dessus. 6 buts, et, 6 buts et 5 passes. C'est quand même Dieffi. Dieffi qui n'est pas là, oui. C'est donc, vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas. Hein, si, mais Alex est sorti. Hein. Oui, Alex. Pour Subiat. Bourgeois qui recule mais qui garde ce ballon plus pour longtemps. Il y a trois Stéphanois, les Stéphanois l'ont pris. Gael face à quatre Sedanais pour Subiat dans la surface, et le premier à s'en saisir c'est Nicolas Sachi. Ah là, la puissance de Subiat peut gêner la défense sedanaise. Mais il lui faudra un petit peu s'échauffer. Un quart d'heure de jeu. Taudron, Subiat, cherche le relais avec Potillon. Il est bien parti ce ballon. Sauvetage, exploit de Sachi. Voilà un tir qui était cadré, les autres l'étaient peu depuis le début de la partie, la frappe était superbe et on continue. Frappe superbe et arrêt superbe. Ah oui. Potillon, loin devant pour la tête de Subiat, déviation, Revel et l'arrivée, le but. Magnifique frappe avec le deuxième but, 3 à 2 pour Sablé qui va vite se remettre en place. Sablé est déjà en place, il veut continuer ce match. Geoffroy Guichard, il croit, Geoffroy Guichard pense que les Sedanais n'ont pas encore gagné, Michel. Ah non, bah non, avec ce qui se passe actuellement, quand on voit l'élément confiance qui est intervenu au niveau des Stéphanois, et de l'autre côté c'est l'inverse, mais regardez la belle frappe sèche, pure, et surtout un public survolté maintenant, comme l'équipe de... Vous l'avez dit tout à l'heure, ici, hein, il n'y a jamais rien d'acquis. Hein. trois buts en 5 minutes, Michel. 72e, c'était Quin. On a annoncé le but du chaos. Les boxeurs stéphanois sont remontés sur le ring. 72, 73e et 77e minute. Le match continue de s'emballer. La frappe est magnifique. Et là, Sachi... Là, c'est Sachi qui avait réussi cet arrêt. Et 20, ou plutôt 1 minute 20 ou 30 secondes plus tard... C'est un ballon qui a transpercé la défense sedanaise qui va souffler un peu là. Oui, mais cette défense-là est trop repliée depuis quelque temps. Elle est juste devant son gardien qui ne voit pas toujours les frappes.
Sablé, vous l'avez vu. Sablé, il est même pas allé. Il y a une forme de frénésie dans ses gestes. Il n'a pas pris le temps pour la collade de ses coéquipiers. Il leur a fait signe il y a moins d'un quart d'heure. On y croit et on va jouer. 12 minutes maintenant. Hernandez qui remet sur Di Rocco. Pedron. Loin devant. Destination de Rommel. Dégagement de Novak. Bien évidemment, moralement, c'est plus dur pour des Sudanais qui, dans leur tête, pensaient avoir fait l'essentiel ce soir. Et il faut tenir maintenant. Pedron face à Huard. Intervention Novak. Mais ce ballon n'est pas beaucoup repoussé. Potillon qui a touché ce ballon et c'est lui qui va remettre en jeu cette nouvelle balle offensive pour les Stéphanois. Pedro, ah c'est du droit et c'est largement hors cadre. Oui, mais maintenant les joueurs n'hésitent plus, hein. Tir au but. Hein. Ça a changé complètement l'état d'esprit. Hein, d'une équipe qui paraissait un petit peu pas timorée, mais qui n'avait pas confiance dans ses moyens. J'ai cru entendre un Cédric, ça pourrait être pour LVR, ouais. Oui, Vincent. Hein. Oui, alors il va y avoir deux changements en principe, parce que c'est vrai que Patrick Rémy, depuis quelques minutes, il réfléchit quelle solution adopter pour conserver ce résultat. Et a priori, Majid Adjaoud et Cédric LVR vont rentrer tous les deux. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'un petit peu de sang frais, notamment dans la défense. Faute de 15 sur la serre. 10 minutes pour les Stéphanois pour revenir. 10 minutes pour les joueurs de Patrick Rémy. Voilà le changement annoncé par Vincent. Stéphanois qui ont le ballon avec Bourgeois. Les Sudanais plutôt de bloc. Les Stéphanois ont repris ce ballon avec un service pour Soubia. Dieng. Montero. Et de bloc. Nouveau rush de Potillon. Et Bourgeois qui vient tacler. Trop sévèrement. Carton jaune pour Bourgeois. Ah, c'est une lutte dans chaque mètre carré de terrain maintenant. Hein. Les Stéphanois ne laissent plus jouer. Voilà Djaoud qui va rentrer à la place de Cronier. Cronier, c'est pas le nom le plus connu du championnat de France, mais ça va certainement le devenir quand on voit la qualité du match d'Éric Cronier. 8 matchs en première division. Et beaucoup de talent ce soir du côté des Sudanais. Oh, il y a beaucoup de joueurs de Sedan qui ont très peu de matchs en première division. Et pour cause. Potillon. Ballon très chaud qu'il faut défendre. Sedan le fait avec Quin et Di Rocco. Boudaren. Verme. Ouvert. On est avec Philippe, avec Éric Cronier. Éric, c'est pas facile à gérer, à contrôler cette fin de match devant la furia stéphanoise. Attention, la frappe de Pedron. Ouh, ce ballon est sauvé par Sarchi. Stéphane Pedron le voyait au fond. Et il y a Soubia qui est arrivé. Il faut qu'on marque en contre maintenant. Il ne faut pas se démobiliser. On gagne encore, il reste 10 minutes, on va tout faire pour gagner. Alors on vient au jeu, corner. Stéphanois, Rommel, ballon bien décollé, la tête d'Oliveira. Gael qui va redonner une chance pour un centre à Patrick Rommel. Voilà qui est fait, c'est très haut pour la tête de Soubia. Et sauvetage, ballon bien pris par Nicolas Sachi. Qui dévisse sa frappe mais qui repousse ce ballon aux 60 mètres. Oui, qui est un peu perturbé quand même là, Sachi, ouais. Hein, parce que le ballon revient en permanence. Et il y a beaucoup de monde à chaque fois avec lui. C'est pas facile à avoir une situation claire. Hein. Voilà, là il a bien anticipé face à Soubia. Il relance loin devant. Quin qui a failli se retrouver dans la même position que tout à l'heure sur son but face à Kwarme. Potillon. Pedron. Ballon récupéré par Huard, c'est bien joué. Lance Bourgeois, couverture d'Hernandez pour Alonso. Et lui va monter à son tour pour décaler
en version offensive. Ce ballon, Yasser. Le public y croit. Hein. Allez, retour à la case départ, maintenant il faut y aller. Ah, quelquefois il faut savoir revenir en arrière hein, pour mieux repartir. Reculer pour mieux s'élancer. Potillon. Faute sur Subia. Allez, faute d'Olivera sur Nestor Subia. Qui a un petit peu exagéré le mouvement. Et Dieng qui demande de venir couvrir la balle côté gauche. À gauche du cop de Saint-Etienne, il y a Liasser, Subiat qui sont en train de se placer. Nouveau changement, Elzéar à la place de Pierre De Bloch. Oui, c'est un défenseur. Hein. De Bloch qui prend son temps. Elzéar. On décompte ces quelques secondes, mais ça casse. Un rythme effréné que voulait donner les Stéphanois dans les 5 minutes, les 5 dernières minutes de ce match. Voilà, on va jouer ce ballon avec Boudaren. Ça va bouger dans la surface. Varme est monté. Là, on cherche la tête de Subiat. Main de Liasser. Disent les Sudanais, faute, dit Subiat. Tout va être bon maintenant. On va tout faire pour revenir au score et tout ce qui va se passer dans les 16m50, ça va être Verdun. Attention, ballon dégagé. Alors regardons bien cette image. Ah oui, c'est main de Liasser, tel un volleyeur. Oui. Allez, faut faire vite pour revenir dans le camp adverse pour les Stéphanois là. Rocco qui travaille, Huard qui revient également, la tête de Potillon et bon dégagement du joueur de Sedan là avec on cherche un partenaire là, on tape devant hein. Et débrouillez-vous, moins de 5 minutes dans le temps réglementaire, toujours 3 buts à 2 pour les Sedanais. Kaimi Kao pendant une heure, les joueurs de Saint-Etienne qui se sont relancés grâce à 2 buts de Pedron et de Sablé. Et là, il n'y a pas de verre pour reprendre. Ce sont les Sudanais qui se dégagent pas pour longtemps. Hernandez écarte vers Liasser. Dégagement de Dieng. Chandelle dévissée. Et le ballon ne sortira pas. Et c'est Dirocco qui vient gêner Revel. Dirocco qui contre. Huard avec Kahn. Olivier Kahn qui attend un peu de soutien. Arrivé d'Adjaoud. Oui, dans le trou, c'est fait. Adjaoud, il est tout frais. Adjaoud, il est tout seul aussi. Alors il va garder cette balle côté droit. Varmeux va essayer de lui chipper rapidement. Voilà qui est fait grâce au Norvégien de Saint-Etienne. Ah, Varmeux, bon service pour Subia. Appel de balle de Revel. Oh, ce ballon est mal donné par Subia. Et les Sedanais qui se précipitent. Il va y avoir corner. Sachi est arrivé. Un dixième de seconde trop tard. Ça panique corner. Un peu, hein. Ça panique quand même. Corner et balle aérienne très chaude à suivre, Michel. Car Subia est déjà en place. Potillon également. Varmeux. Alors que Thierry Murgalia vous remonte ce ralenti. Eh bien, tous les grands de Saint-Etienne sont au cœur de la surface. Pedro à la manœuvre. Ballon très très haut. La tête de Subia et la tête de Potillon surtout. C'est au-dessus. Oui, il n'était pas en très bonne position pour pouvoir armer et frapper de la tête, Potillon. Varme Buel. Ballon contré, il sera Sudanais. C'est Liasser qui l'a touché. Philippe, avec Pierre De Bloch. Pierre, c'est dur à vivre, c'est dur à la minute. Ouais, il manque l'arbitif parce que bon, on n'est pas loin de la rupture quand même. C'est le mot, hein, ils sont tout près de la rupture, mais ils tiennent quand même. Ah, le Saint-Etienne, si le score en reste là, Saint-Etienne va regretter d'être parti si tard. C'est haut, la tête de Subia, c'est trop haut pour Subia et pour tous les défenseurs sudanais. C'est Pedron qui a repris le contrôle de ce ballon. Mais c'est dur, hein, parce que pour le transmettre, les Sudanais sont prêts. Il y a une possibilité de contre-attaque. Solidaire, là, bourgeois. Hors-jeu, il était en position de hors-jeu. Il est en train de revenir. Il doit laisser ce ballon. Liasser, loin devant.
On recherche Subia, il y a la tête aussi d'Oliveira. Dirocco. Eh oui, c'est du bon travail de Dirocco, il oblige Boudaren à faire faute. Il reste 3-4 minutes à jouer là. Il n'en reste qu'une 20 dans le temps réglementaire. S'il y aura un peu de décompte pour les changements. Les minutes, les secondes sont très longues pour Patrick Remy. Pour Sedan, prendre 6 points sur le même score d'ailleurs dans la même saison au Stéphanois. Ça resterait l'un des grands souvenirs de ce retour en première division. Pour qui le ballon? Pour les Verts, avec Revel qui écarte vers Pedron qui passe. La frappe de Pedron, elle est à côté. Ah, Stéphane Pedron qui a beaucoup donné et qui là n'a pas pu armer comme il le désirait. Oui, il a un petit peu de jus en moins et ça ne part pas comme il l'aurait souhaité. On a vu avec cette image de Thierry Burgalier les deux attitudes. Nouzaret qui espère, mais Nouzaret qui est un peu résigné. Et Patrick Remy qui tremble, mais qui est debout. Et qui se fait réprimander, là, j'ai l'impression, par le délégué. Mais ça va, il va tenir. Attention, 20 secondes pour terminer le temps réglementaire de ce match. Ouais, il se fait réprimander, Patrick, parce qu'il pensait qu'il restait un tout petit peu moins de temps supplémentaire. Il s'est étonné pour l'horloge. 3 minutes, hein. On va ajouter 3 minutes, Vincent. Allez, ça permet, voilà les 3 minutes. Ça permet de souffler, ça, ces longs ballons-là. C'est pas toujours bien joué, mais quand on peut pas faire autrement. Au match aller, Sedan avait gagné à la toute dernière minute du match. Et Sedan qui récupère avec Bourgeois. On a déjà eu des matchs fous ici. Hein. Ouais. Il y a eu un 3 partout avec le Havre. Hein. Un décès jusqu'à la fin aussi. Ouais. Où les Stéphanois avaient perdu ce soir-là, disait-il, 2 points. Là, ils risquent d'en perdre un peu plus, car le temps va vite. Il n'en reste plus que 2 minutes maintenant. Cotillon pour une remise en jeu. Lionel Cotillon dans la boîte vers Sachi. La tête de Subia qui est devancée. Subia cherchait ce ballon de la tête, mais il est devancé par Nicolas Sachi. Ah, le ballon est perdu par Potillon. Ouais. Ah, les minutes cruelles. Hein. Cruelles pour Saint-Étienne. 2 minutes, vient de dire Patrick Remy. Il y en a moins que ça. Il n'y a plus qu'une minute 30 à jouer lorsque Alonso va dégager ce ballon. Il le transmet à Hernandez. C'est l'un des tout derniers rushs stéphanois ce soir. Et celui-là n'ira pas très loin. Huard est là. Dirocco. Qui va gagner 20 secondes en balançant là-bas. Ce ballon, on se dépêche. Ça permet un petit peu en défense de se replacer, de se parler. Alonso va monter. Il va dégager loin devant. Subia a appelé le ballon. Ouais, mais il y a la tête du grand Dirocco qui relance vers Quint et Quint va sauver cette balle avant qu'elle ne sorte. Allez, il faut lancer vers Bourgeois. Non, il préfère attendre un petit peu en relais avec Adjaoud. Moins d'une minute à jouer. Sedan est tout prêt de venir battre Saint-Étienne à Geoffroy Guichard. À condition d'anticiper et de ne pas laisser revenir un autre ballon comme ici avec Liasser. Les Verts qui repartent. Francis Liasser, Subia tout près de la surface. C'est Gael qui est accroché par Oumar Dieng. Voilà, tout dernier ballon à 30 secondes de la fin. La faute un chaud à ballon. Ne pas faire. La faute à ne pas faire à cet endroit et à ce moment du match. Alors, Quint demande à Bourgeois de revenir. Finalement, Bourgeois est dehors de la surface. Allez, il faut se dépêcher. 15 secondes à jouer. C'est le dernier ballon. La dernière chance pour Saint-Étienne. C'est haut. La tête. Et le but de la main, il n'est pas accordé. Non. But est marqué, mais il a été marqué de la main. Il va même prendre un carton jaune, Varmeux. Et les Stéphanois ne vont pas s'en sortir sur ce coup-là. Je crois que ça va être terminé sur le dégagement de Nicolas Sachi. Remise de Boudaren. Il n'y arrive pas. Il est trop court. Trop court et difficile de ne pas mettre la main quand c'est comme ça.
Il n'y aura qu'un Norvégien qui aura marqué ce soir à Geoffroy Guichard. C'est le Norvégien de Sedan et c'est lui qui aura montré la voie aux Sedanais car c'est allez, terminé. C'est victoire, belle, très belle victoire ce soir à Geoffroy Guichard des Sedanais de Patrick Remy et de Michel Bérard. Sedan qui sur le même score qu'au match aller bat donc Saint-Étienne 3-2. À force de faire des pronostics en disant ce sont oui. deux beaux jeux, il y aura des buts, eh bien ces joueurs-là ont tenu leur promesse. Oui, Saint-Étienne peut regretter de ne pas avoir joué de avec cette même volonté qu'en deuxième mi-temps, de ne pas avoir bousculé les Sedanais plus tôt que cela, mais c'est une victoire quand même méritée de Sedan qui a été sur l'ensemble du match beaucoup plus lucide et beaucoup plus clair dans son jeu. Et voilà, ils étaient combien Stéphane, Philippe, on est avec Stéphane Pedron. Stéphane, ça a failli basculer. Qu'est-ce qu'il a manqué? Un réveil peut-être un peu trop tardif? Non, on n'a pas été bon. Là. Je sais pas. Sedan est une très belle équipe, mais ce soir, on n'a pas vu le vrai visage de Saint-Etienne. C'est dur à expliquer, mais parce qu'on a fait un très bon match contre Nantes. Et là, c'est sûrement notre plus mauvais match à domicile, même si sur la fin, on revient, mais... C'est du pouce-ballon, c'est du hurrah football et bon on a eu la chance de marquer deux buts mais c'est pas suffisant, on avait 3 de retard, c'était pratiquement mission impossible. Donc c'est dommage parce que en gagnant ce soir on pouvait rester bien confortablement dans le haut du tableau. Et là derrière, je sais pas les résultats mais je pense que ça revient. De toute façon il y aura toujours 6 points minimum sur le premier relégable. Donc ça va être dur. On en avait parlé avant le match, on savait que ça allait être un match difficile mais... Mais de là à perdre comme ça et de jouer de cette façon, c'est vrai que devant notre public, c'est... il ne mérite pas ça. On avait fait un bon match contre très bon match contre Marseille, un bon match contre Nantes. Là. Un peu trop de confiance peut-être alors, parce que vous aviez bien débuté l'année. Non, je pense pas que c'est... Non, nous, c'est pas trop confiance en nous, parce que nous, là-dessus, je pense qu'on est... c'est pas nous, ça. Non, je pense que début de match, ils nous ont bien pris, nous ont bien pressé, ils ont eu des contres. On a douté un petit peu au début et puis on marquait rapidement et après... Après on a pris un coup moral et on n'a pas su réagir, on a fait n'importe quoi, on n'a pas respecté les consignes. Et quand on ne respecte pas le jeu, on le paye cash. Voilà. Merci Stéphane. Lucide, hein. Il a bien lucide. Vu ce qui s'était passé sur le terrain. Oui. Il analyse ce match comme l'un des plus mauvais à domicile. C'est vrai qu'ils ont eu parfois des moments où ils ont bafouillé en début de saison. Et là, la joie, c'est certainement sur le troisième but tout à l'heure marqué par Quint, ce fameux joli but d'Olivier Quint, la joie de Patrick Remy. On va laisser Vincent, on le voit courir là derrière les Sedanais, laisser Vincent regagner les vestiaires alors qu'on voit Varmeux. On parle du pays là, hein, ouais. Les deux Norvégiens avec à sa droite eh bien, le buteur Frigard. De la soirée, Frigard. Avec cette information donnée tout à l'heure par Michel Bérard, un meilleur buteur il y a 2 ans du championnat autrichien. Oui. Même si ce n'est pas le plus grand des championnats européens, les Autrichiens, physiquement, on connaît les défenseurs. Et d'être meilleur buteur, c'est une performance. Les prochains adversaires, on devra se méfier du côté du Havre la semaine prochaine pour le match en retard et de Auxerre. Ce sont les prochains adversaires des Sedanais. Ah voilà ce fameux troisième but. L'image et le son des vestiaires. Ouais, Philippe, on était dans le vestiaire. Patrick Remy est arrivé. Il nous a tout simplement demandé de sortir 3 minutes pour savourer vraiment cette belle victoire. On va y revenir. Hein. On les comprend, les joueurs sedanais. On va rester tranquillement avec nos Norvégiens. Comme Vincent parle plusieurs langues, mais pas encore le Norvégien, on ne va pas lui demander tout de suite l'interview. Puis comme il va aller voir. Puis comme ils ne souffrent pas du froid tous les deux. Hein. Non, voilà, ça va. Alors que. Thierry Burgalière va nous remontrer des ballons et des filets qui ont tremblé ce soir. Ça c'est les buts de Saint-Étienne sur la fin de partie, mais sur la fin seulement, hein, Michel. Hein. Il y a eu quand même une bonne réaction, même si ça n'a pas toujours été avec clarté, mais une belle réaction pour troubler l'arrière-défense sedanaise. Et ça c'est une très belle frappe. La frappe là où Sachi cette fois a dû s'incliner. C'est-à-dire qu'il y a mis tout son cœur, Julien Sablé, toute sa force. Mais le ballon a dû être un petit peu détourné. Hein. Voilà, les Stéphanois, le COP Stéphanois a repris espoir à ce moment-là. On retourne dans les vestiaires.
Voilà, on y est. avec Patrick Rémy. C'est trois petites minutes, c'est sympa. Hein. Oui, mais ça chante encore. Patrick, c'est superbe ce qui s'est passé, hein, quand même. Hein. C'est superbe, ça pourrait être superbe aussi pour Saint-Étienne. Mais c'était superbe pour nous, encore une fois. Je crois qu'on était là chercher cette victoire au fond de nous-mêmes. On a jamais refusé le jeu. Quand on a reculé, c'était parce que Saint-Étienne prenait un maximum de risques. Et puis, je crois qu'on a pris plaisir et on était en même temps disciplinés. Et on a joué notre jeu. Bon, ça fait 31 points, il nous en manque encore 9. Ah oui, non mais le football, on voit que ça va vite. Ce soir, on gagnait 3-0, tout le monde nous voit. Avant, vous venez de serre, vous, hein. Un petit peu, oui, mais tous les entraîneurs vous le diront, c'est jamais fini. Et ce soir, c'est une belle victoire. Patrick, est-ce que c'est aussi une victoire tactique, votre victoire aussi, donc? Parce que vous avez quand même bien bloqué Saint-Etienne. Hein. Bah, à partir du moment où les garçons animent bien, on peut leur proposer pas mal de choses. On a joué intelligemment, on a trouvé des solutions, on a trouvé des espaces. Et ce match spectaculaire, bon, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a eu beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur pour pouvoir amener justement ces ballons devant le but. Modérer l'ambition qui peut naître autour de votre équipe, c'est votre objectif maintenant? Non, mais on est ambitieux chaque match, mais on prend les matchs comme ils viennent. Ce soir, on a démontré qu'on était ambitieux. Mais nous avons 31 points et le prochain match, ça sera encore le plus important contre Lens. Lens a le couteau sous la gorge, il faudra aussi d'abord récupérer, puis après animer d'une manière qu'on puisse bien récupérer pour amener les ballons devant le but. Merci. Oui, en rappelant ce que vous disiez tout à l'heure, Michel Hidalgo, c'est qu'il y a aussi ce match en retard face au Havre, qui sera normalement joué le 19, même si le président des Ardennais tout à l'heure nous disait que les pelouses souffrent dans les Ardennes comme partout en France. On l'a vu ce soir. On va rester quelques instants encore avec Vincent Alix et les Sodanais dans le vestiaire. Oui, parce qu'il fait bon, hein, il fait chaud maintenant ici. Olivier Quin, le troisième buteur, à 3-0, on se dit c'est plié. C'est jamais plié avec Saint-Etienne et avec Sedan. La preuve, ils sont revenus à 3-2 et puis on a énormément souffert en fin de match. Ils ont eu des occasions pour égaliser. On a su tenir le choc, tant mieux, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir un relâchement coupa qui aurait pu nous faire du mal en fin de match. Alors c'est vrai que c'est une sacrée performance, ça ouvre bien l'année. Patrick Cremy le dit, il faut faire attention, il ne faut pas s'emballer. Vous, c'est le même sentiment? Ouais, faut pas s'enflammer parce qu'on peut vite redescendre sur terre. On reçoit Lens samedi, donc il faut bien récupérer et puis bien préparer le match. Maintenant, on va quand même savourer parce que c'est quand même une belle performance ce soir. Merci Olivier. Lens donc samedi, Le Havre le 19, ensuite ce sera Auxerre face à Sedan. Michel Hidalgo, vous n'êtes pas à la place de Patrick Rémy. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que Sedan peut encore monter comme ça jusqu'au mois de mai? Patrick Rémy, quand il dit il nous fera encore 9 points, il parle du maintien. Ouais, maintien. Il parle du maintien, mais il peut espérer mieux. Il a raison, ouais. Il ne s'emballe pas et il voudrait que son équipe garde ce qu'elle a. Cette fraîcheur de jouer, ne pas trop se poser de questions, vouloir gagner à chaque match sans se préoccuper par le classement. Non, c'est vrai que nous, on essaye toujours de pousser un peu les entraîneurs en disant « Et alors, puisque ça marche bien, puisque vous avez une belle équipe, est-ce que vous pouvez encore aller plus loin ?» Mais eux ne peuvent pas faire autrement que de garder les crampons bien sur la terre. Oui. Vincent, on va aller une dernière fois au vestiaire, puis après, vous nous direz comment on se réchauffe. un petit mot, parce qu'ici, à Sedan, tout le monde participe à la victoire, même ceux qui ne peuvent pas jouer. Cédric Mionnet est avec nous. Cédric, je suppose que ça vous démangeait. Vous aviez envie de rentrer sur cette pelouse de Geoffroy Guichard pour aussi vivre la fête. Alors c'est vrai, surtout que bon, dans ce stade-là, Chaudron, on a toujours rêvé de jouer. J'ai joué l'an dernier, mais bon, cette année, à cause d'une petite blessure, bon, je suis éloigné des terrains pendant presque un mois. Bah, tant pis, puis bon, je vois que ça marche toujours autant. Il n'y a pas Mionnet, il n'y a pas une Diéfi, et ça fonctionne aussi. Hein. Et oui, ça marche, et puis tant mieux, et j'espère qu'on fera de même contre Lens, parce qu'il y a encore fort à faire, mais bon, je pense qu'avec la qualité du groupe, puis la mentalité surtout, on risque d'aller loin. Donc, je peux passer un petit... Oh là là, oui, on a 30 secondes encore. Je tenais un petit bisou à ma filleule, Mégane. Voilà, allez, coucou. Merci. Voilà pour le bisou et les trois points surtout à souligner et ce spectacle qu'a découvert Dominique Rocheteau, certainement avec plaisir, lui qui a fait trembler les filets et se faire soulever les supporters. Il y en a des souvenirs ici, lui. Hein. Eh bien, il aura apprécié le spectacle, tout comme vous, Michel. Merci d'avoir participé
à ce commentaire. On attendait une belle soirée du côté de Geoffroy Guichard. On a été gâtés. On espère que vous avez vécu un bon mercredi soir également en notre compagnie. Merci à Thierry Burgalaire qui emmenait toutes les équipes de Concept TV qui, là aussi, vont faire comme nous, frotter les mains, non seulement pour le spectacle, mais pour se réchauffer, pour écrire un nouveau commentaire. À bientôt sur Kiosque. N'oubliez pas, demain sur Kiosque, il y a un très grand match italien. C'est Juve-Lazio, Coupe d'Italie. Au revoir et bonne fin de soirée. Salut. Salut Vincent.